ces moments. Quel plaisir. Intro du jeu, silence dans la salle. Merci beaucoup pour le train de hype. C'est la fin du train de hype, merci beaucoup. Je laisse l'histoire les gars, on va pas zapper l'histoire cruellement dès le début comme on le fait dans l'intégralité de nos lives. Mario Lapin Peach, Bip-O, je suis tellement contente de vous voir. Les lapins sont particulièrement exubérants aujourd'hui. Quelqu'un a égaré la salopette de Lapin Mario. Mais non, ne me dis pas que c'est fait voler sa salopette. Il a si honte qu'il n'ose pas quitter le buisson où il s'est caché. Si jamais l'attrape le voleur qui a chopé ma salopette, où est-elle passée? Mais qui volerait la salopette de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui a du style en tout cas. C'est comme si c'était fait, ma princesse adorée. Eh, je connais cette voix. C'est qui cette voix? Les fans de doublage? J'ai l'impression que c'est une voix que j'ai déjà entendue, qui a déjà fait des robots, genre. Peut-être c'est dans ma tête. C3PO. R2-D2. Ah, c'est pas C3PO? Ah, Portal. On est d'accord, c'est une voix qu'on connaît. C3PO, putain, pas con. Ça ressemblait pas un peu à Clank? C'est peut-être Clank aussi. Bah attends les gars, on est juste en train de citer tous les robots qu'on connaît là. Il y en a pas un pour attraper l'autre. X pour un boost. Ah oui, ok, je me mets à courir, c'est ça? Ok. Cette salopette est à moi. Regardez la taille sur l'étiquette si vous me croyez pas. C'est sûr, ça appartient pas à la pardon, il y a quelque chose qui cloche. Je dois aller où là? Là-bas? En vrai, je suis dans le thème du live avec mon chapeau, on dirait un peu Todd, non? On en pense quoi? On dirait Todd. Qu'est-ce qui se passe avec lapin crétin ici? Ils sont encore plus crétins que d'habitude. Ouh, yeah. Mais je vois une petite fortune derrière cette statue. Faut aller où? Ah, faut aller là-bas, il y a des pièces. Les pièces, je crois, c'est ce qui permet d'acheter des nouvelles armes et tout, donc faut pas lésiner sur les pièces. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je secoue? Une salopette! Ok. Et il est où le gars qui a perdu sa salopette? J'ai oublié. J'ai appris que tu construis un nouveau vaisseau, Bipo. Je peux faire un tour. Mais évidemment, Todd, tu es le bienvenu. Tu es mon personnage préféré. Je le fous là? Ah non. Ah mais il est au tout début en fait. Je dois retourner au tout début. Il est caché dans le... Il est caché dans l'option du début. C'est quoi le but? Alors il y a une histoire, en gros, qu'on va découvrir peu à peu pendant ce live. C'est un petit live découverte, là je découvre en même temps que vous. Et c'est, vous allez voir, on fait des combats au tour par tour contre des groupes de monstres en gros. Donc tous ceux qui ont joué à des jeux tour par tour comme Fire Emblem, Dofus, etc. Je pense que vous allez kiffer. Enfin, pour ne citer qu'eux, il y en a plein d'autres. Et donc on a des armes, on a des persos qui ont des capacités chacune bien à eux. Il y a des builds en fait à faire quoi, possiblement. Donc il y a un vrai côté stratégie qui moi me fait kiffer. Et le tout dans l'univers évidemment Mario X Lapin Crétin. Donc pour ceux qui kiffent l'un ou l'autre ou les deux, bah je pense que ça va vous plaire en toute logique. Un seul d'entre nous peut avoir autant de classe avec une alternative au pantalon classique. La salopette c'est sous-côté si vous voulez mon avis. Je trouve ça très très bien moi une salopette, je trouve ça très stylé. Pour maintenant profiter de cette belle journée dans la paix et l'harmonie. Sur Bye Bye, le clip de Bye Bye, j'avais une salopette, j'étais très heureux. Nous pouvons désormais nous détendre, sachant que... Allez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une dinguerie. Oui, c'est beau les salopettes, c'est stylé de fou. On est d'accord? Mais ça a été associé à un vrai truc de taf plus qu'un accessoire de mode, genre les salopettes. Vous trouvez pas? Oh. Une arme légendaire au premier combat. Oh! Oh! Mais il a été pulvérisé, il a été désintégré. Il n'existe plus. Wow.
Waouh, quel travail d'équipe, quelle cohésion. Ah non, il est dans l'ange, il n'a pas été désintégré. Ah, Doom délire, galaxie, etc. Sébastien Desjours, le comédien de Bipo, si jamais. Ah, alors Sébastien Desjours, est-ce qu'il a fait. Ah, premier combat, trop bien. Est-ce qu'on peut avoir la liste de ce qu'il a fait, les gars, du coup? Nous allons simplement faire une promenade sur le dos de cette créature volante. Oh non, oublions-le simplement. Mais je connais, Bipo, ton tuto, tu te le fous au cul, je sais, regarde. Je sais comment ça marche. Let's go! Hop là, je me mets là, hop, j'ai choisi la position de départ, à eux de jouer. C'est parti. Il se cache aussi. Ah, ça peut se péter le cube. Ah. Tire deux projectiles sur la même cible, soit sur une cible séparée. Ok. Non, non, vas-y, je vais tirer les deux là-dessus. Voilà, comme ça je lui pète. Je peux me recacher. Il peut me toucher la tête ou pas là? Non, ok, c'est juste qu'il a très bien visé, il a très très bien visé. Ah là, j'ai 50% chance de l'atteindre. Mais regardez ce qu'on va faire, on s'en bat les couilles. Attendez, regardez, on va se mettre là. On va lui tirer dessus. On va lui tirer les deux dessus. Oh non, j'ai presque de la peine pour lui. Il avait l'air terrifié. Hop, évidemment, je vais me faire tirer dessus. Même pas. Quel imbécile! Ah bah c'est bon, j'avais... Ah oui, c'est vrai que t'as pas besoin de tuer les derniers ennemis si t'atteins la zone, c'est vrai. Oh, le glitch! Et mon skin! Oh! Il est où mon skin? Qu'ont-ils fait de mon skin? Détruire les points faibles? Bah, je suppose que c'est les grosses zones jaunes dans le truc, ouais, absolument. Ah non, c'est le petit truc noir devant? L'espèce d'œuf à la coque noire? Lapin Peach, tu es en sécurité! En dépit de la mystérieuse MF qui sabote nos armes, on neutralise nos armes. Ah, on a utilisé notre surpuissante charge, qui savait plus une fois retourner la situation en combat. Donc ça c'est les attributs perso à chaque c'est les attributs de chaque perso, pardon, c'est les skills liés à chaque perso. J'ai du mal à parler. On peut libérer ces trucs une fois en votre possession. Il y a une arme légendaire là-dedans du coup. C'est ça donc que vous disiez. Ce sont les points faibles. Donc je fais quoi, genre juste je fais direct mon dash. Ok, maintenant je le ramasse. Maintenant je fais quoi, je le lance sur lui. Hop là, un œuf dans l'œil. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Fin du tour? Ah ouais, je vais me cacher là parce qu'il y en a un là-haut. Fin du tour? Comment je fais? Ah, c'est Y. Ok. Aïe! C'est pas de jeu, il joue avant moi. Ah mais Mario, il joue pas là? Mais c'est une dinguerie. Attends. Ah mais si, j'ai juste oublié de jouer avec lui. Oh, oh la honte. My bad. Faut sélectionner en manuel en fait. Genre lui il est là, c'est bon. Lui je le mets là, c'est good. Je peux passer autour de l'ennemi. Ok. Là logiquement on est tous les deux à l'abri. Il peut rien faire, il est abasourdi. Ah super saut d'équipe. Faut que les deux ils se rejoignent pour qu'on puisse passer des obstacles. Ok. Attention au chrono. Comment ça au chrono? Attention à chrono musique. Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Regardez vos héros possibilités pour que ce soit un saut d'équipe, un saut mobile, prenez le drone pour afficher la distance de saut d'équipe maximale. Lorsqu'un héros pénètre dans la zone de déplacement d'un autre héros, cette zone sera affichée en jaune et l'icône de chaussure de ce héros sera aussi mise en évidence. Ok, merci. Donc ce qu'il faut, c'est que Mario te rejoigne. Il est là. On va se faire un petit saut d'équipe tranquille. C'est... Ok, magnifique. Je charge, je le prends. Tu te mets un œuf dans l'œil. C'est terminé. Hashtag ad surtout. Magnifique. Tu peux bouger et tirer. Mais ça sert à rien là. Mais t'es bien là.
Merci Jidogi pour ton gentil message. C'est gentil, merci beaucoup. Partenariat à proposer, MP moi s'il te plaît. Oh Louis, oh contacte-le. Oh, oh là là. Attends, j'ai rien suivi à cinématique pour une blague moyenne, je suis abattu. Ah, c'est réparé, magnifique. Et je peux avoir mon skin avec, s'il vous plaît, les frérots? De l'édition spéciale, là, j'aimerais mon skin Galaxy. Prom Night. Eh les gars, les posts Insta. Attendez, je vous explique juste après. Nos armes ont été réactivées, il est temps de se mettre à couvert et de viser sur ces vilains pas beaux. Faites attention, cette dimension se comporte différemment de la nôtre, vous ne pouvez pas vous déplacer après avoir tiré. Oui, c'est ça, c'est là où il y a toute la partie stratégique qui entre en jeu en fait. On a 50% chance de toucher un gars quand il est derrière son machin. Certaines armes peuvent passer outre les abris pour toucher un ennemi derrière ceci, mais je suppose qu'elles font moins de dégâts. Et après avoir tiré, on peut pas bouger pendant ce même tour, donc faut se mettre à couvert avant de tirer. Ok, merci, on a déjà joué à ce jeu. On n'est pas débiles, ne vous en faites pas. On va tuer ce chic type. On va lui mettre les deux directement. Hop, hop. Voilà, je suis caché, je suis bien. On passe à cette personne. On va lui faire la même chose. Ah ouais, lui, ça passe par-dessus, ok. Putain, dommage, je pouvais presque atteindre le gars là-bas. Ok. Donc son arme, elle est déjà chambée, quoi. Ah ouais, son arme, elle est vraiment mieux. Waouh, ok, super. Bon, bah là, ils vont rien faire. Ils vont peut-être péter mon bloc. Ce qui n'est pas grave, puisque... Voilà, alors on va la mettre là, on va choper celui de droite, comme ça on est sûr de... Ah non, j'aurais dû... Ouais, c'est ça. Ok, et maintenant Mario, qu'on va mettre là. C'est vraiment le tuto. Mais après, vous savez que le jeu, il devient méga chaud, hein. Ah, j'ai touché les deux. Oh, j'ai touché les deux. J'avais une chance sur 4. Oui, le shoot prom night, là, les photos sur Insta, les gars, c'est pas des extraits du court-métrage qui sort pour Halloween. C'est juste un shoot qu'on a fait pour Halloween, pour kiffer. On a fait un peu une histoire de, voilà, un mec qui accueille sa meuf et qui va aller à un bal de promo avec. C'est juste un shoot de 5 photos dans ce thème-là, horrifique, évidemment. Pour le kiff, pur et dur, voilà, plutôt que de juste poster des photos de moi au quotidien, je trouvais ça cool qu'on fasse, pour une fois, un shoot un peu artistique en famille avec Jill. Voilà, c'est ça Prom Night, c'est pas autre chose les gars. C'est juste, je sais que je comprends que les gens comprennent pas ce que c'est parce que je l'ai jamais fait. Et puis surtout je l'ai très mal amené, j'ai rien expliqué, j'ai vraiment pas fait d'effort là. J'ai posté ça tel quel, mais c'est vrai que c'est pas du tout évident sur ce que c'est. Donc voilà, c'est juste un shoot à thème et j'aimerais en faire un peu plus cette année, des petits shoots à thème comme ça, ça me fait kiffer. Donc voilà, c'est le premier pour Halloween, thème horrifique, maison un peu bizarre, ma mère un peu creepy derrière qui veut, qui veille bizarrement sur son fils, qui a l'air très intrusive. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Merci de l'explication en tout cas. Oui, désolé, j'aurais dû expliquer avant. J'ai pas pensé. Pour moi, c'était obvious, mais en fait, quand j'ai vu que les gens comprenaient pas, j'ai réalisé que c'est absolument pas obvious. C'est vraiment pas obvious. Cursa, mais qui est Cursa? Cette Cursa est pour l'instant hors de portée, mais l'immensité de son énergie dépasse toutes mes capacités d'analyse. Je peux aider, je peux offrir à Mario le pouvoir de renforcer ses attaques. Ok. Tout est la bienvenue, Marie. Ok. Sont sur Insta les photos. Ouais, on en a mis 3 sur 5 là. Mais je suis content parce que vous, les gens kiffent bien. Les gens kiffent bien le côté juste photoshoot comme ça dans une ambiance trop bizarre. J'avoue, je l'ai fait vraiment pour me faire plaisir. Je l'ai pas fait en me disant faut le faire comme ça pour que ça plaise aux gens. Non, c'est juste fait kiffer nous. Mais bon, comme d'hab, j'ai cette bénédiction de à chaque fois que je me fais kiffer, vous kiffez aussi. Donc bon, c'est enfin des fois non, mais c'est rare quand même. Donc je suis très content. Voilà. Maintenant que vous pouvez choisir entre attaquer, les techniques ZR et les Spark, vous souvenez-vous que chaque héros possède 2 points d'action par tour. Ok. N'oubliez pas les charges, ces capacités de déplacement ne consomment aucun point d'action, elles possèdent leur propre compteur. Pour atteindre meilleure position, pareil, on a un saut d'équipe, ça consomme aussi pas de points d'action. Ok. Ah, mais attends, c'est les ennemis ça? Donc lui, je peux lui mettre une charge. Ah ouais, en plus une charge ça slide donc ça touche plusieurs gars. Là, l'idée, je pense, c'est de traverser, de se mettre là. Obviously, de se mettre derrière et de. Attends, parce qu'on a plusieurs trucs. Les alliés apportaient un fléau de dégâts supplémentaires avec leurs attaques et capacités de déplacement. Ok, j'ai joué mon spell. Donc là, j'ai joué un point d'action. Et maintenant... Ok, non, c'est tout. Lui, on va le désinguer, évidemment. C'est terminé.
Maintenant qu'on a fini, il reste juste lui qu'on va cacher là. On va mettre là. Je suis à la 4ème île. Je trouve pas très dur quand t'as mis les bons sparks, etc. Je suis en difficulté normale. Bah mets-le en difficile du coup. Tu es trop bon pour le jeu normal. Voilà, je sais que tu es humble, mais la vérité est là. Alors je te fais gagner du temps. Tu es trop bon. Ok. C'est nouveau ça, cette espèce de 3. Enfin, c'est nouveau. Je sais pas en fait. Voilà, c'est facile. Hein. Mais je me souviens qu'après ça part en couille. Moi, il y a un niveau, je me souviens. Je me suis fait mes botter le cul. C'était effrayant. On peut se mettre là. Et lui, son ult, c'est quoi? Il soigne 20% des PV. Bah, faisons-le. Hein. On l'a qu'une fois par combat, l'ult. 3 tours. Là, ça me dit 3 tours. Donc, non, c'est sensible à chaque. Ah, il est fumé, le perso là. Il est incroyable. Y'a rien à dire. C'est un plaisir. Let's go! Ah, toute cible se déplaçant à portée dans la ligne de mire du héros reçoit 100% dégâts et tout super effet. Octroie une dose. Vas-y, essayons d'envoyer. Ok, okay, j'ai pas tout à fait compris ce qu'il fait, son nul, mais on est assez tranquille. Ah, ok, c'est ça. Ok, c'est une embuscade, quoi. Ok. C'est en mode guet-apens, d'accord, je comprends. Alors là... Il faudrait que toi tu te rapproches. Le problème c'est que j'ai 0%. Il faut que je pète ce cube. Ok, le cube est officiellement décédé. Pas mal l'ulti de Mario. Ah, j'aurais peut-être pu. Ah non, ça a tué normalement. Il a 80. Ok, super. On s'en sort comme des chefs actuellement. Comme des chefs. Évidemment, on gagne des pièces après le combat. Des fragments d'étoiles. À quoi ça sert? Oh, comment il regarde mal. J'espère qu'il prend pas le métro lui, puisqu'il va lui arriver des bricoles, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, il nous extirpe de là. Oui, on s'en sort. Voilà, Monsieur Galaxy là, il fait... Il fait pitié, il a un bras de 100 mètres, il est pas foutu de nous attraper, il fait pitié. Il fait pitié ce monstre. L'ulti de Mario, genre tu joues à Valo. Oui, on voit l'influence Valo en effet, mais c'est vrai, c'est des ults. C'est des ults spécifiques à chaque perso en vrai, non? Bienvenue. Mettons-nous d'accord sur le vocabulaire. C'est une joie de vous voir en bonne santé. Ton bonnet, on dirait le bout de mon sgeg. Drôle de sgeg, hein. Vraiment un drôle de... L'entité providentielle. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mettez-lui un ban, putain! Mettez-lui un ban! Je le dis parce que les modos, vous êtes gentils là, en ce moment, je vois bien. Excusez les fronteries, j'ai clairement d'autres tests à effectuer. Ah, tu sais ce que tu as? Je sais ce que t'as un Phimosis. Voilà, je te l'apprends, mon frérot. Tu as un Phimosis Osgag. On l'a appris grâce à ce bonnet, tu lui dois beaucoup à ce bonnet ce soir. Car tu comprends qu'il y a un problème avec ton zizi. C'est pour toi, mon frérot. Je te laisse te renseigner, mais attention, à mon avis, c'est ce qui se passe dans ton caleçon. Dans ton slip, je pense que tu mets des slips. À mon avis, c'est ce qui se passe ici, là-bas, en bas. Tu brilles, dis donc. Comment tu t'es retrouvé à bord avec Mario? Intéressant. Il semblerait que cette créature soit en partie lapin. MDR, ça part trop loin. Bah, on a un débat. C'est une sorte de col roulé pour ceux qui se posent la question. Trop serré. Hein. Est-ce que t'achètes un col roulé trop serré? Bah, je pense, on vient vraiment d'aider quelqu'un ce soir. Justement, un col que tu peux pas rouler. Bon, arrêtons. Ouah, c'est sponsor Ubisoft. Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis désolé, Ubisoft, je suis désolé. Mais c'est important d'aider les gens. C'est aussi dans vos valeurs, je le sais. Alors voilà. On aide, on ne laisse aucun squeezo sur le côté pendant ce live. L'hashtagade. Oh là là, la catastrophe. On vient de perdre l'hashtagade. Bah, on joue pour le kiff quand même. J'aime bien le jeu. Continuons ce live pour le kiff. Je suis rien à l'histoire. Mettez-moi des monstres s'il vous plaît et des points d'action et je vais faire un carnage. Je ne veux pas suivre cette histoire. Je veux des combats. Que ce soit bien clair, je ne doute pas qu'elle est super votre histoire. Mais je veux me battre. Je veux en découdre là. Vraiment? Parce que...
Quoique la voix de Bipo là, elle me régale. La planète la plus proche est le littoral lumineux. La confusée ombre s'y répond déjà à données insuffisantes pour déterminer le niveau de danger. L'aventure est un concept nouveau pour toi, mais pas pour nous. On se met en exigeant, mon frérot. On vient de me dire dans le chat qu'en normal, c'est facile là. On se met en exigeant. On est où là? Mais qu'est-ce que vous croyez? On va se... Par contre, on va vraiment falloir réfléchir, sinon on va se faire défoncer, les gars. On s'est mis en exigeant. En vrai, il y a vraiment une personne d'Ubi qui surveille tes streams. Surveiller, le mot est lourd, mais il y a peut-être quelqu'un d'Ubi qui est possiblement là. Qui est peut-être arrivé au moment où je fais « Eh ben, ton sgeg !» Qui se dit « Ah, je vais peut-être revoir mes choix de... d'OP. » Oh mon dieu, il envoie des... t'es mort en exigeant. Ben moi, il y aura du challenge, les gars. On a raison de mettre en exigeant. Au moins, on va se battre ce soir. On va faire un vrai jeu dur. Le problème, c'est qu'en exigeant, en fait, du coup, je pense qu'il y a une strat à comprendre et il y en a qu'une qui est... Tu dois avoir une ou deux manières max d'aller au bout de chaque combat. Donc, il faut vraiment bien faire les bons moves et tout, quoi. Tu peux pas y aller, tu peux pas grid, tu peux pas ne pas réfléchir tes moves. Mais c'est ce qui est intéressant aussi dans un jeu comme ça où c'est de la stratégie. C'est ce que je recherche, moi. Je suis devenu un pro-gamer, les gars. Ça fait 2 semaines que je passe ma vie sur les jeux vidéo. J'ai l'impression d'avoir 14 ans depuis 2 semaines. Depuis le GP, je fais que de jouer aux jeux vidéo. Enfin, sur mon temps libre, je ne fais que ça. Il y en a pas un qui avait un fusil à pompe dans le 1, c'est un truc genre une arme qui fait ultra mal au corps à corps. Quoi. Ouais, il est gigantesque. Si vous êtes là pour faire du grabuge, je dois vous dire qu'on est déjà au complet. Rangez-moi ça, on est des héros, pas des grabugeurs, mais d'insupportables touristes. Des héros. Lui, on peut lui acheter des choses. Il y a un truc sur le phare. Ah ouais, vous avez un petit problème ici, effectivement. Ok. Cette chose est un tentacule de confusion, mais nous pourrons aussi purifier son énergie de confusion. Un tunnel de DP vers notre... Ok, donc faut aller là-bas pour accéder au prochain monde. Allez, c'est bon, j'ai compris, let's go. Oh, j'arrive. Oh, c'est quoi là-bas, là, l'espèce de vaisseau? C'est pas la machine pour acheter des trucs? Je pense qu'on va pouvoir acheter un truc dans pas longtemps, là. Voici du gâteau, comme on dit. Alors, nouvelle quête débloquée, on a débloqué la manette, allez voir sur votre carte, ok. J'ai regardé ma manette, ouah, j'ai fait un move là, un peu honteux. Alors, où est-ce qu'on doit aller? Ah ok, il y a une map, là il y a un petit sac d'argent, ça va être tout de suite là où on va aller, je vous le dis directement. Sauver Farville, zone secrète du littoral, il y a forcément, ah ok, donc il y a des armes à trouver dans des endroits un peu reculés et tout, c'est sûr, c'est sûr. Ça c'est quoi? Ah, faut être niveau 4. La confusion du phare. Le Goomba avec la casserole sur la tête. Là faut être level 10. Zone secrète du littoral lumineux. Bon, on va commencer là, hein, qu'est-ce que je vous dise. On va commencer là, vas-y go. Pardon, je suis encore un peu malade. Plusieurs apparences d'armes obtenues. Ah, des skins, là tu nous fais plaisir. Bah voilà, je prends les galactiques. Bah évidemment. Je prends les galactiques aussi. Et eux alors? Pas de skin. Donc lui c'est attaque de zone. Ok. Lui, attaque puissante à courte portée, rayon d'action conique, se remplit très élégamment en charmant sac à main. Ok. Lanceur de disque qui frappe plusieurs cibles tout en ignorant les abris. Donc tu tapes moins fort, mais lui en gros tu le laisses derrière un abri, il envoie son truc non-stop. Et lui, plus t'es loin, lui c'est un sniper, plus ça fait de dégâts. J'aime beaucoup. Et tu choisis ton équipe. Donc là j'ai mis Mario. Et j'ai mis Lapin, comment ils le décrivent Lapin? Tire 3 projectiles avec une trajectoire incurvée sur une cible unique, même derrière un abri, l'accessoire parfait des selfies. Ok, donc je pense qu'en fait ça c'est mieux, ça fait moins mal que ça.
de loin, mais ça touche forcément même les gens cachés. Mais ça, je pense que t'as une portée de dingue. Donc si t'es dans un combat où les ennemis te rush, lui, tu le laisses derrière et c'est le sniper quoi de la team. Bon, pour le moment, de toute façon, je pense pas qu'on ait besoin de... Ah oui, après, un arbre de compétences, bâtard, c'est génial. Ok. Prends Mario Lapin, prends Lapin Luigi. Lapin Luigi, je me souviens d'avoir trop bon feeling avec lui. Ok. Ah, appuyez sur bas pour ouvrir la page du soin d'équipe, soignez votre équipe entière contre quelques pièces. Ah oui, donc en fait, d'un combat à l'autre, tu gardes tes PV perdus? Ou c'est en combat, ça? Non, c'est en combat, je pense. Le marchand robot a lui rendu visite, il y a des objets. Ouais, c'est sûr, lui, on l'avait spoté direct de toute façon. Lapin Luigi, vous dites? Lui? Lapin Luigi, c'est celui-là. Frappe plusieurs cibles tout en ignorant les abris partiels. Donc les abris que t'as déjà un peu pété. Ah, ça peut être pas mal, hein. Ouais, j'avoue que Lapin Luigi, il a l'air pas mal. Lapin Mario, il est trop risqué, je trouve. Mario tout court, il est bien parce qu'il est il fait mal de loin, de près, il est pas mal. Mais j'avoue que lui, il a l'air extraordinaire, quoi. Lapin Luigi, j'avoue, il me dit un truc. Lapin Luigi, je crois que je l'aime bien. Et c'est quoi son sort spécial? Il peut frapper 3 cibles, regardez, bam, bam, bam. Il peut taper 3 cibles à la fois. 55 dégâts à chaque fois. Les ennemis infligent 50% de dégâts en moins. Pas mal. Il a pas de spark équipé et il a une charge. Ok. C'est quoi le spell de Luigi? Oh, comment il fait mal! Waouh! Mec, 200 à 230, il one-shot les mecs! Ah ouais, c'est Luigi qu'il faut. Regarde acier, toute cible se déplaçant à portée dans la ligne de mire du héros reçoit un hit. Ok, donc c'est le même super que Mario. Et ensuite il a ça en spark. 20% des dégâts de ses héros sont redirigés vers l'ennemi. Les gars, il est full OP. Il est full OP, il faut Luigi, c'est sûr. C'est obligé, genre toi tu sautes, lui il va péter l'abri et lui ensuite il va défoncer quelqu'un. Mais les abris partiels, est-ce que je peux les toucher avec? Ah mec, je suis désolé hein, mais Lapin Peach, tu sautes hein. On va prendre les deux frères direct. Direct, on va voir comment ça se passe. Sachant qu'on est en mode exigeant, donc on peut pas se foirer sur le perso qu'on choisit, c'est ça le blème là. On peut vraiment pas se foirer sur le perso qu'on choisit. Allez, fais-moi rêver. Qu'est-ce que t'as à me vendre? Qu'est-ce que t'as à me proposer? Ok, allez, fais péter. Construisez votre sac à objets pendant un combat, utilisez un objet et donc t'as des heals. Chaque héros peut utiliser qu'un objet par tour. Ah oui, c'est vrai, et du coup, il peut soit tu utilises un objet, soit tu fais un truc. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il me vend? Ah, regardez, il y a les armes là. Ah, les armes, faut finir un niveau pour pouvoir les acheter. Ok. Ah ouais, ok. Et je peux pas voir les specs de l'arme avant de l'acheter là? C'est bizarre ça. Réinitialisez vos sparks et techniques pour un usage immédiat. Détruit les éléments destructibles, lancé pour créer une onde de choc, inflige des dégâts de zone à tout ce qui est à portée. Mais on est d'accord, c'est usage unique là, les objets. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, je le garde pas, après c'est fini. Ouais, ouais, donc flemme, vas-y, je vais économiser. Bon, toujours dans la boutique à chaque jeu, bah c'est ce qu'on aime, hein, les amis, hein, mentez pas, hein, c'est ce qu'on fait tous. On l'ouvre et on bave. C'est quoi ça? Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Magnifique. On va pouvoir s'acheter des trucs directs. Ok, 20 pièces, je crois, pas mal. Vas-y, continuons, vas-y, venez, on va au premier level, en vrai de vrai, là. Flemme d'attendre. Au secours, aidez-nous, on est là, vous en faites pas. Moi, je pense que c'est pas mal, le Luigi avec l'arc, là. Il va one-shotter fort. Ah, c'est ça, les mobs, c'est des trucs qui te courent dessus. Mais il court droit sur une bombe, c'est vraiment pas smart.
Ah. Ah merde, j'aurais peut-être dû acheter deux champis, les gars, vu qu'on est en mode exigeant. J'aurais peut-être dû acheter deux champis, je suis en train de me dire. Bon, c'est pas grave, on va voir. Bon, bah. On va s'en sortir. On va s'en sortir, chat. Mamma mia, ouais, le mamma mia. Ok, donc. Ah putain, je sais quel perso il faut. Il faut les persos qui tapent plusieurs mobs. Il faut pas Luigi là, les gars. Il faut pas Luigi. Il faut le perso qui tape plusieurs mobs. C'était Lapin Luigi. C'est sûr. Il faut Lapin Luigi. Et avec ça, laissez-moi regarder déjà, apparence et arme, qui avait quoi. Lui, c'est sûr, il le faut pour frapper plusieurs trucs, vu que c'est des trucs qui vont me rusher dessus. Et lui aussi, ça peut être pas mal. Je pense, hein. Et Peach, je crois que c'est pas mal aussi. Ça balance des trucs en zone. Comme ça, on a des AOE, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut. À mon avis, c'est ça qu'il faut, les gars. On est très chaud, on est très chaud. Regardez, hop là, on prend ces deux-là. Ils vont faire une équipe extraordinaire. Extraordinaire. Ok, c'est parti. Donc. Ok, je vois très bien. Ah ouais? Let's do this. Ah ouais? Not huh? Ah ouais? Ah bah mec, le level il est easy de fou là. Ah ouais, dès que tu les touches, ils explosent. Donc en fait, le but c'est juste de faire en sorte qu'ils te touchent jamais. Ok, ok, mais c'est easy. Tac, on prend, tac, on le met là. Hop, ça dégage. Tac, 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 ensuite on prend ça. On va toucher lui. J'hésite à toucher lui. Lui, je pense qu'il va niquer Peach. Hop, il pète. Fin de tour. Ouais, jamais il nous atteint. On est mort. Oh! Oh go, la gars! Je suis trop. Je le ramasse, l'envoie là-bas. C'est fini. Exigeant de quoi? Exigeant de quoi? Exigeant rien du tout. Exigeant rien du tout. Indulgent même. Je crois qu'on a mis le mode indulgent sans faire exprès. Merde! Easy! Easy chat. Merci d'avoir éliminé ce bobombe. J'avais peur qu'il fasse kaboum à la pauvre créature que j'ai trouvée. Allez, allons au phare là, les gars. On y va, on y va, on y va. Mais lapin Peach avec un autre. On verra, les gars. Je pense qu'avant chaque combat, on analyse le combat et on prend les persos qu'il faut en fonction. Vous en faites pas. Je pense qu'il n'y a pas une team avec laquelle tu fais tout le jeu. Faut juste... C'est ça qui est cool, justement, c'est qu'il faut s'adapter à chaque fois. Mais vous en faites pas, on va faire les bons choix. On va faire les bons ch. Qu'est-ce qui se passe? Ça débloque un level? Easy, je pense qu'on en reparle comme de zéro mort au début de Let's Play. Bah, on en reparle de la même manière, il y a eu zéro mort. Hein. Il y a eu zéro mort, frérot. Les gars. Obtenu prisme de compétences. Ah, on va pouvoir construire les builds. Alors ça par contre faut prendre son temps, bordel. Il vous sert à améliorer les capacités de vos héros en combat. Les prismes de compétences sont la monnaie à dépenser pour activer les améliorations. Donc là on a un truc. Chaque héros gagne des prismes et c'est utilisé ou remboursé à n'importe quel moment. Ok, bah vas-y, allons-y. Alors santé, augmente le total de points de vie, on s'en fout. Boost de vol plané, augmente le temps du vol plané. Ça peut être pas mal. Augmente les dégâts du parapluie de Peach. Waouh, le cône là, ça, il fait mal de ouf, c'est incroyable. Ou augmente la portée d'efficacité de la barrière d'équipe de Peach. Ah, ça peut être smart. Ça peut être smart. Ça peut être pas mal, en vrai de vrai. Attends, merde, ce que j'ai fait, je fais n'importe quoi. C'est quoi déjà son... Barrière protégeant les héros à portée de tout dégât ou super effet. Oui, après, bon, est-ce qu'on a, on est que deux sur le champ de bataille, est-ce qu'on a, vas-y, on, les gars, on fait ce que tous les joueurs ont fait quand ils ont débloqué cette arme. On améliore l'arme, frérot.
Y'a même pas de débat. On améliore l'arme. Ni plus ni moins. Comment j'ai fait? Ah oui, c'était là. Faites pas genre... Oh, probabilité de coup critique. Plus 20%. Ah là, je suis pas fan, tu vois. La maxi flemme de Luigi se recharge en moins de tours. Ah, pas mal, pas mal. Donc, la efficacité de maxi flemme, plus 3 mètres. 10% d'affaiblissement. En plus, la maxi flemme de la planète dure rend des ennemis encore plus vulnérables aux dégâts. Ah, waouh, pas mal. Puisque proba de coup critique augmente les dégâts. C'est après. Plus 2 mètres distance d'enchaînement. Ah ouais, mais du coup, tu peux toucher un mec à l'autre bout de la map. Allez, tout dans l'arme. On va arrêter de faire semblant de réfléchir. On met tout dans l'arme pour tout le monde. Tout dans l'arme. Tout dans l'arme. De toute façon, ça, on peut changer ça à chaque fois, on s'en bat les couilles. En vrai de vrai. Allez, hop, c'est fait. Ah ouais, non, le lapin Luigi, là, les gars, monté au max, je pense que c'est une dinguerie. Tu hits un mec collé à toi, ça va toucher un mec qui est à 300 mètres, genre. C'est extraordinaire. Magnifique. Somptueux. Je pense que nous aurons besoin... Ah merde. Je pense que nous aurons besoin de ce spark de lumière à l'intérieur du temple pour voir la pensée d'un phare, après tout. Ah oui, merde, du coup, je me suis trompé. Entrer dans le temple de l'aube. Attends, mais là, je peux pas prendre un truc. Oula. Ah ok, ça me donne juste ça. Ok. Ouh, mais je vois une petite fortune juste ici. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, donc je crois que l'entrée elle est là-bas. Attends, vas-y, on va arrêter de faire n'importe. C'est là-bas, regardez. Descendons. C'est une minimap en haut à gauche, on est d'accord? Ouais, c'est bon, je suis en train d'y aller. Attends. Y'a rien là? Tu vas me faire croire que je secoue un truc là et y'a. Là, on... Ok, faut aller là, vas-y, on y va. Ouh, mais je vois une petite fortune au cul de ce temple, regardez-moi ça! Ok, vas-y, bah level 2, on est level 2. Ok, peut-être que là, ça va commencer à devenir exigeant. Peut-être. Éventuellement. Oui, il y avait d'autres pièces. Je sais. My bad. Et encore, c'est pas sûr. Vous devez remporter cette bataille. Comme ça, je pourrais venir avec vous. Sinon, je suis bloqué. T'inquiète, frérot. Alors, les méchants de champ de bataille n'ont aucun courage à tenir l'autre côté du champ de bataille et ils abandonneront. Ah ouais? Pouvez... Ok, donc je peux analyser avec Bipo. Chaque fois que vous rencontrez de nouveaux ennemis, n'oubliez pas de les analyser, ça vous aidera à connaître leur capacité et leur comportement. Ouais, ok, super. Qui je garde? Parce que eux, apparemment, ils restent planqués derrière leur truc, donc j'ai peut-être intérêt. J'ai peut-être intérêt à changer d'équipe. Parce que là, de ce que je vois, il y a des mecs planqués au fond qui ont des fusils qui traversent toute la map. Mais non, c'est facile. On dit n'importe quoi. Hop, lui il est là, machin. On va tirer. Ils sont pas morts? Ils vont mourir, c'est pas grave. 5% de chance? Pourquoi 5% de chance? Parce qu'ils sont trop loin? Ok, et ensuite lui il va recharger. Hein? Ah, des fois il se retourne et je dois les jeter dans le vide. Génial. Le problème c'est que là, comme il est là, si je suis là, il me snipe les autres? Non, jure. Il me snipe de là où ils sont? C'est impossible, si il me snipe. Vas-y, on va tester, je suis curieux, on va tester. Vas-y, tour de l'ennemi. Il y a les trois champis qui arrivent. Il y a eux qui s'avancent. Ah ouais, ok, il tire deux fois. Il va me toucher là. Waouh. Lui, je vais devoir le mettre là. Je vais devoir tirer sur eux. Ok, c'est fini.
Ok, maintenant que j'ai tiré, je peux plus rien faire. Et donc lui, je vais le mettre là. Et le problème, c'est que là, j'avoue, avec mes persos, c'est pas non plus une dinguerie ce que je suis en train de faire. Vas-y, on va tirer juste pour voir ce que ça fait. Ok, il se passe rien. Ok. Vas-y, tour de l'ennemi. Oh, il recule! Ok, il y avait ça sur la trajectoire. Lui, il va reculer aussi, évidemment. Waouh! Alors, regardez, on va être smart. On va prendre lui qui va s'appuyer sur lui. Est-ce que je vais comme un bourrin? Oui, de toute façon, ils vont me toucher tôt ou tard. Saut d'équipe, j'avance. Je tombe là. On va se mettre là, on va pas faire les fous. Est-ce que je peux essayer d'en viser un? Ouais, on va voir si ça passe. C'est touché, c'est touché. Waouh, il est trop fort. C'est quoi mon spell déjà? Ah merde, je touche pas l'autre. Ah le bâtard. Bon, de toute façon, c'est pas grave, ça va être fini. On s'en sort à merveille, les gars. On fait un travail formidable. Ok, et maintenant que toi t'as fait ça. Pa-pa-pa-da-pa. Hop là, c'est gagné, même pas besoin de les tuer. Même pas besoin de les tuer. Les nulos. Il y a des levels comme ça où t'as pas besoin de tuer les gens. Allez hop, ça c'est fait. Indulgent. En même temps, ça me fait penser au combat sur Dofus mais en 3D. Mais oui, c'est pour ça que j'aime bien moi. Alors j'ai eu un nouveau spark. Qu'est-ce qu'il fait ce spark là? Il fait quoi? Gestion des sparks, vous pouvez associer un de vos héros à un spark qui rejoint ton équipe. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Appuyez sur X pour accéder à l'écran d'amélioration. Vous pouvez nourrir les sparks avec des fragments d'étoiles et des potions d'étoiles. Ils deviendront alors plus forts. Ok. Attends, j'ai un... Ah, mais j'ai un spark sur Mario. Qu'est-ce qu'il fait? Les dégâts physiques sont réduits de 15%. Donc ça, il faut le mettre sur un mec qui va au corps à corps, logiquement. Donc plus sur le mec au point. Les alliés apportés infligent 20% de dégâts supplémentaires avec leurs attaques et capacités de déplacement. Ok. Lui, il fait quoi? Augmente les dégâts infligés par les armes de 10%. 20% des dégâts destinés aux héros sont redirigés vers l'ennemi. Bah, en fait, ouais... Ça, en fait, c'est encore mieux pour un big tank, en fait. Lui, il réduit les dégâts, mais lui, il redirige 20%. Ça, il faut le mettre sur un big tank. Et ça, toutes les attaques par arme sont chargées de super effets brûlure et infligent 120% de dégâts. Tous les dégâts infligés par les super effets sont réduits de 20%. Les héros ne sont pas affectés par le super effet brûlure. Ah ok, donc s'il y a des ennemis qui enflamment, je suis tranquille. Ah mais non, ça se lance et ça se recharge en fait. Parce qu'il y a marqué un tour et trois tours. Ouais, donc ça dure un tour et ça dure... Ok, ok. Et si je veux améliorer ça... Ça coûte 100 fragments, ok. Et tu gagnes un peu de pourcent. Bon, on va attendre de voir ce qu'on fait avec ça. On va attendre de voir ce qu'on fait. En tout cas, ça inflige... des dégâts en plus, il faudrait logiquement mettre ça avec un perso qui touche à coup sûr n'importe quelle arme. Genre elle va devenir mais extraordinaire avec son canon là, je vais tout niquer. En vrai, elle va être fabuleuse. Dans ce jeu, à combien de temps s'il vous plaît? Un peu moins d'une heure. On est encore au début. Alors, il y avait des pièces, je crois, les gars. Il y avait une petite fortune qui se cache. Voilà. Bon, on les prendra en repartant. De toute façon, on va devoir repasser par là. Vas-y, go faire le level. Un nouveau membre d'équipe? Un nouveau membre d'équipe? Ou un méchant? Un méchant, un membre d'équipe? Boss? Il est méchant? Ouais, je sais pas, on va voir. Bon, vas-y, go. Premier combat, on y va. Ah, mais là, faut peut-être que je fouille. Il y a peut-être des armes ou des trucs à trouver, en vrai de vrai. Bah, on fuit tout, on dira rien. J'ai vu le spark de lumière, il est passé au-dessus. Oui, je l'ai vu aussi, t'inquiète. Donc là, il y a des petites énigmes. Ouais. Peut-être que élever le niveau de l'eau d'une manière ou d'une autre. Bah, faut pousser ces trucs, quoi. Ah.
Ah ok, tu peux le tirer en fait, ok pardon. Ok. Bon, c'est vraiment un tuto d'énigme. Je pense que ça se corsera plus tard. On est sur un tutoriel. Bah, j'ai pas assez poussé. Bah si. Ah. Attends. Comment c'était de base? Je comprends. Ah si, c'est bon, c'est juste que ça bloquait. Ok, on va tirer les deux et puis voilà. Ça passe, ouais, ça passe. Hop là, c'est gagné, bien joué. J'ai envie de combattre les gars, j'ai un blème dans les jeux vidéo, je veux que être en combat. Je veux que être en combat, c'est un truc de ouf. Je crois que quand on joue beaucoup aux jeux vidéo, c'est toutes les phases de tuto où on t'apprend des trucs et tout. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de jeux mobiles. Bah en fait t'en peux plus quoi. Ah, ça lance un combat ça? Est-ce que derrière un monstre peut se cacher un combat où il y a plusieurs monstres? Oui, bien plus que plusieurs. Oui, en effet. Bon alors les gars, on va pas chercher midi à 14h. Alors les gars, c'est simple. On a le perso parfait là pour ce qui se passe. Attends. Comment on utilise le L? Je me suis boost. Faites vos prières. C'est fini. Ah, il en reste un peu. C'était sans compter. Au revoir, ce frérot. Et voilà, yes, magnifique. Peach, les gars, elle est ultra forte. Elle est ultra forte, genre ses AOE, elles sont. C'est THE perso quoi. C'est THE. On a eu de la chance, on avait le bon. Ah, y'en a, j'ai même pas vu. Je peux le lancer sur les autres ou pas? Non, je dois lancer dans le vide. The POW! Allez, c'est fini. Non mais Peach, elle est incroyable. Sont pas appliqués. Après j'ai pris des points de dégâts en vrai, on rigole, mais à un moment j'aurais plus de vie au début d'un combat. Regardez, tu vois, j'ai perdu de la vie là pour rien. J'ai perdu de la vie pour rien en vrai, j'aurais pu le regarder. J'ai un acouphène, merci, pardon, désolé. Elle régale la Peach, c'est... Oh, j'ai obtenu un objet du coup, tu lootes des objets quand tu fais des combats comme ça. Et bah voilà, 30% de vos points de vie. Horloge de récupération, réinitialise vos sparks et techniques pour un usage immédiat. Ça, ça l'utilise en combat du coup. Puisque les sparks ils se réinitialisent entre deux combats. J'espère, lol. Est-ce qu'il faut que j'explore ou je comprends hop là? C'est quoi ça? Ah, c'est un marchand? Au cas où je galère, il y a des marchands dans les donjons? Oula. Ah ouais, ouais, il y a des marchands dans les donjons. Faut que j'explore. Bon, en tout cas, les gars, moi je kiffe les jeux tour par tour, je vous le dis, ça me régale. J'ai envie de déglinguer le jeu, voilà, vous le savez. Ah, deux jours level 1. J'ai tout ça. Ah non, je pensais que c'était une quête secondaire du donjon, mais trop pas. Il y a un truc caché ici. Ouh, c'est une pelle en mode Animal Crossing, ça, je reconnais. J'ai pas de pelle, fait chier. On saura qu'il y a un objet si on trouve une pelle. Faut vraiment explorer en fait là dans les donjons. Je crois que j'explore pas assez, chat. Il va s'enfuir. Il va au bus, il s'enfuir. C'est le carburant, il est de retour pour nous faire chier, regardez. C'était clairement une flaque de carburant qui vient de l'attraper.
Ok, je passe monstre et j'espère que je peux explorer. Non, c'est sûr que c'est le boss, putain, c'est sûr. Ça va se fight là. On doit trouver ce... Absolument, car sans le spark. C'est loin. Okay. Indubitablement, en venant à bout du tentacule. Ok, ok, donc en gros, il me dit juste faut le tuer. Ok. Voilà ce qu'on obtient quand on achète un. Ok. En même temps, je peux ne pas y aller encore. Ah si, attends. Je peux ne pas y aller encore. Faut que je lance le. Venez, on finit d'explorer. Je suis sûr qu'il y a des trucs à explorer en fait. J'ai vraiment rush de fou là. Je peux pas y aller là. Non. Je crois que là-bas il y avait un autre chemin. Ah bah regardez là, déjà il y a un truc là là. Là-haut il y a un pow. Je peux pas y aller là. Si, regardez. Il y a grand besoin d'investir dans des conteneurs alimentaires ou je ne sais pas un service. Oggy a grand besoin d'aller. Comment je peux monter? Tac tac tac. Les tableaux, je crois qu'on pouvait faire un truc. Ouais. Le premier emploi d'Oggy fut de venir en aide aux marins en détresse. Ah non, c'est juste des infos? Ok, c'est pas une quête. Et y a pas un autre chemin? Bah non. Non, non, les gars, désolé, j'explore, mais en même temps, j'ai mes réflexes Dark Souls qui reviennent. J'ai pas envie de passer à côté d'un truc. Le seul trophée reporté. Ouais, non, c'est que du story. Ok, non, les gars, on a pas de choix. Pardon. Le seul trophée reporté par Oggy fut la deuxième. Ok. C'était peut-être là-bas de l'autre côté. Bon, je pense pas, mec. Ah, là, regardez. Oh! Mais vas-y, mon frérot. Voilà une quête qui va nous donner un truc, mec. Faut chasser 3 gombas. Putain, il y a des trucs avec de la lumière. Fait chier, j'aimerais bien me les faire. Ah, c'est vrai qu'ils viennent agresser, en fait. Ok. Ah, le bâtard, c'est lui qui nous a balayé. Promenade, c'est quoi? C'est juste un shoot photo pour Halloween. Mais il y aura un court-métrage lundi, mais dans lequel je ne joue pas parce que je suis pas un très bon acteur et puis ça me sortirait tout de suite de l'horreur. Donc voilà, rien à voir avec le court-métrage, c'est juste un petit kiff, shoot à thème, 5 photos, une série de 5 photos pour Insta, voilà. Alors, il y en a combien là? J'en vois, il y a un lapin là, je le vois. Ah oui, attends, faut faire ça pour analyser. Ok, il y a un gars là. Ah mais je peux l'analyser avant, putain, on l'avait même pas fait. Ok. Aucune résistance ni faiblesse, ok. Ok. Et eux, ils ont. C'est quoi la résistance faiblesse? Faiblesse. Ah, ils ont tout. Il peut revenir sur pied après s'être pris une charge. Ok, donc il y a juste deux lapins et lui en fait. Bah, l'idée c'est de niquer les lapins. Je sais, on va faire ça, clac. Et lui il va y aller en mode tranquille. Non, on peut prendre un Luigi en fait. Ok. Ok. On peut prendre un Luigi. On peut prendre lui et on est bien. Allez, on y va. Donc elle va se faire une sorte de cône de l'espace-temps comme ça là. Alors, on va la mettre là. Voilà, c'est terminé. Et lui, on va le mettre là. On va tirer sur obviously. Attends, parce que l'autre, comment il va se mettre? Il pourra pas m'atteindre, bah, si je me mets là, il pourra encore moins m'atteindre. Lui, il va tirer. Ah, il le tue pas, merde. Bah, il y avait marqué je sais pas combien de dégâts la dernière fois. Ah non, plus elle est éloignée, plus elle reçoit des dégâts, my bad. C'est-à-dire, si je le mets là, là, je le tue, c'est sûr. Mais là, je suis à découvert. Ah merde, j'ai mal joué, en fait. Mais sinon, faut prendre le problème dans l'autre sens, faut que j'aille là, et que je tue lui. Ah non, je le tue pas, du coup, et j'ai 50% de chance de le tuer. Damn! Bon bah vas-y, on va se mettre là. Wouah! Les dégâts, mon frérot. Par contre, je vais sûrement me faire chasse par lui là. Vas-y, lançons ça. Hein. Ok, comme ça, s'il bouge, logiquement, je vais lui en mettre une. On va voir s'il va bouger. Non, je pense qu'il va tirer direct. Il est con. C'est terminé. Oh, il est pas mort! Ah le bâtard! Ah j'ai le seum, j'ai merdé là. J'ai merdé. Ok, c'est plus il est loin, plus il fait mal, j'avais zappé cette info. Ok. Bon, pitch qui prend cher, hein, comme d'hab. Un shoot tranquille pour le fun pour la mine. Exactement.
Enfin, pour le fun, c'était du taf quand même avec Jill, la photographe, mais je suis très content du résultat. Ça valait grave le coup. Ok, donc il y a encore deux trucs à chasser en vadrouille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, yes. Temple de l'aube, vous avez vu, un souvenir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour un truc d'histoire? Ah oui, c'est vrai que je pouvais le balayer avant de tirer, t'as raison. Jouer audio, ok, non, ça m'intéresse pas en fait. Je veux juste... Ah, regardez. Ah, regardez, voilà. Là, on va recroiser d'autres trucs et on va arriver sur les hauteurs là de ce qu'on a vu avant. Ben vas-y. No way. Qu'ai-je fait? Ah, je suis revenu au début! J'ai pris le mauvais chemin. J'ai pris le chemin à l'envers. C'est pour ça que ça marchait pas. Ouah, je suis un débile. Oh, ok, il y a l'échelle. Ah, par contre, regardez, quand on re-rentre, on récupère des... Il y a re les pièces qui spawnent. Du coup, maintenant, je peux passer par là. Putain, je vais devoir refaire l'énigme des trucs. Oh non, j'ai trop le seum. Mais je comprends pas. Je comprends parce qu'il y en a... Mais je te comprends pas, frérot. Ça a remis à zéro la quête, les gars. Je crois que j'ai merdé grave là en sortant du truc. Attends, vas-y, venez, on le retient en deux secondes. Je crois que j'ai merdé grave. Ça a dû le remettre à zéro. Jill, c'était l'imposteur avec Jamel. Exactement. Exactement, Jill, c'est l'imposteur dans la vidéo là qui prétend que son père, elle a. Que son père a fait une collection de clowns. C'est elle, c'est Jill, c'est avec qui j'ai fait la série de shoot Prom Night là que je suis en train de mettre sur. Sur Insta, il reste deux photos. Ah, ils ont bougé de place, regardez. Putain, c'est marrant. Ils ont changé de place, les mecs. Mais il est où le dernier? Ah, il n'y a pas, du coup, il y a une série de trucs à la place de lui. Ok, 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 ok. 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 Bon, allez, vas-y, allons-y. Pourquoi ça a pas tué le dernier? What the fuck, mec? C'est très bizarre, ça. Bon, ça change rien, puisque je vais le tuer avec lui. Oui. Allez, autour de l'ennemi. Bonne chance pour m'atteindre, il m'atteindra jamais. Eux, ils sont morts, et lui... Bah, lui, il est mort, parce que je vais le tuer comme ça. Oh, yeah. 0% de chance? Je le touche pas? Il est encore protégé de là où il est? Mais pourtant on voit clairement que je le... Ah non, ok, peut-être pas. Ok, ok, ok. Et le problème c'est que si je vais au corps à corps, je vais pas le tuer. Bon bah vas-y, on va attendre. Ah, pas con. Ça a touché, il est pas mort. On attend. Ah, et du coup il me touche, putain. Tu vois ça, à haut level, je faut vraiment pas qu'il m'arrive ça, quoi. J'aurais dû me déplacer, mais attends, je peux aller le tacler. Ah maintenant du coup j'ai joué damn. Non, c'est pas grave, on va lui mettre ça. Y'a du online qu'on ne sait pas dans celui-là? Je sais pas du tout, bonne question. Je sais pas du tout, je t'avoue. Je n'ai pas la réponse. Ouais, la strat était moins bonne, les gars. On s'est laissé aller, mais en même temps il nous faisait pas peur. Ah bah non, ça me l'a compté de le chasser là, celui qu'on vient de voir. Bon, retournons à l'objectif principal. Si c'est un truc que je peux interagir? Non. 300 HP, je vais devoir prendre un champi ou ne pas jouer Peach dans le combat. Aussi, je peux faire ça. Et attendre que la vie de mes autres gars baisse. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a un autre combat scaspawn? Voilà, bien sûr. Ok, on va rejouer Peach et on va prendre les rebonds là cette fois. On va prendre les rebonds. Ça veut dire les rebonds, c'est pas Luigi, c'est lui qui est extraordinaire. Allez, on y va. Lui il va me toucher si je me mets là, j'ai un peu la flemme. Je vais me mettre là.
Ah, on peut pas le mettre entre les deux? Ah non, dommage. Là, je crois que c'est pas mal, non? Est-ce que ça vaut le coup? Mais attends, surtout, de toute façon, il faut que je mette mon... Ça, là, c'est trop fort. Mais est-ce que je peux pas faire un giga strike en étant là? Je vais me prendre un hit de l'autre, en fait, ça le blâme. C'est pas mal, quand même, ce qu'on propose. Les gars, je crois que c'est pas mal, ça. Le reste qu'après, je pourrais plus bouger, je vais me prendre un hit de lui, je suis déjà low life. Non, les gars, vas-y, on va faire la strat tranquille. On va faire la strat tranquille, je sais, c'est décevant, on voulait une boucherie, on pourra pas cette fois. Eux, ils sont morts. En vrai, c'est overkill de mettre un... Ah non, lui, il est pas mort là-bas, ok. Lui, logiquement, je peux les strike. Faut que je fasse gaffe aussi, faut que je reste là. Faut que je fasse ça, ouais. Il est trop fort. Lui, je pense que c'est l'un des meilleurs. Ouais, il est trop fort. En vrai, ouais. Ok, à vous les ennemis. Je pense qu'ils m'atteignent pas, là, les trois, là. Ça arrive de se rater, les gars. It's okay. The pow! Maxi flame, comme ça au moins on réduit leur truc. Ok, et Peach normalement, là elle va faire un... Putain, 100 HP, hein. Faut que je reste caché, sale blême, sinon tu vas me tuer. Il est salaud là-bas. Faut que je reste là. Je pense qu'ils meurent tous, non? Ouais, ils sont tous morts. Ouais, super. Ok, est-ce qu'il va me rusher pour me tuer? Non. Il a rien fait. Et là, on le termine à dos, c'est fini. Bon, ma Peach elle est presque dead, et je vais pas pouvoir la jouer longtemps si vous voyez ce que je veux dire. Trop easy, ouais ouais, mais là c'est des petits combats. On va se faire un boss là les gars, je pense qu'on va commencer à devoir activer 2-3 neurones. On va pas se mentir. Chasse au bombas, pièce planétaire reçue, magnifique, c'est ce qui permet d'acheter des armes les pièces planétaires, regardez. On a vraiment bien fait de faire cette petite quête secondaire, regardez, hop. Dans une autre pièce planétaire on pourra acheter des nouvelles armes, tu vois. Donc là ça régale. Ce que j'aimerais juste c'est avoir des infos dessus quoi. On peut pas avoir d'infos avant de l'acheter, c'est horrible. Et là il y a une clé aussi. Ça déverrouille peut-être une porte étrange du truc. Il faut 7 soleils pour l'avoir. Non mais ça doit donner accès à une dinguerie. Ça doit donner accès à une dinguerie. Alors attends, on a plein de pièces. Venez, on lui achète des champis en vrai, on s'en fout. Vas-y, on en prend 2. Ça rend 30% de soins. De toute façon, Peach là, on va pas pouvoir la jouer. On va devoir jouer les autres. Merde. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai tout raté. Arrêtez, laissez-moi jouer. Démarrer en l'état. Mais je suis dans le jeu, laisse-moi. Ah. Ah oui, non, c'est pas cette touche-là, c'est cette touche-là. Alors, je pense qu'on va jouer. Pour être polyvalent, je pense qu'il faut jouer un Mario, en vrai. Je pense qu'il faut jouer un Mario, tu vois. C'est sûr. Et ensuite avec le Mario, lui franchement avec son frisbee je l'aime bien, je pense que ça peut être pas mal. Ou alors un Luigi s'il faut sniper de loin, tu vois. En vrai. Mais surtout, on a plein d'arbres de compétences, regardez. Augmente la probabilité d'effectuer un coup critique, oui. Et surtout on a ça. Augmente la portée. Voilà, on va gagner en portée. Et surtout c'est lui là où c'est le plus OP là, ça va commencer à être bien là. Plus 20% de probable coup critique. Et là... On a plus 10% de dégâts et après ça augmentera le truc d'enchaînement. Le problème c'est que, ah merde, ça coûte plus cher d'avoir des... Je peux pas augmenter ça direct, fait chier. Attends, je réfléchis. Faut le planer, santé, on s'en fout. Non, franchement, on s'en fout. On augmente que les armes, les gars, vous savez très bien. Ok, il faut pas le même nombre de points pour tout le monde, d'accord. D'accord.
Genre lui, je peux direct lui mettre ça, ok. Luigi, dégâts critiques. Je mettrai que l'arme, sachez-le. Je n'augmenterai que l'arme. Il a gagné 3 mètres, c'est un bon sniper. Et lui, il a gagné 5% de coups critiques. Et après, il aura... Lui, il est un peu comme Peach, en fait, en vrai de vrai. Hein. Il est un peu comme Peach. Ce qu'il faut faire, surtout, c'est mettre le bon Spark sur le bon gars, là. Comme je vais pas jouer... Lui, je pense qu'il faut le mettre avec lui. Et lui, il fait quoi, ce Spark? 20% de dégâts destinés aux héros sont redirigés. Lui, il faut le mettre sur lui, du coup. Celui sur Mario, il fait quoi? Les alliés apportent 1% de dégâts supplémentaires. Ok. Je pense que le best, c'est si tu mets lui sur un mec. Genre, lui, ça doit être incroyable. Bon, bref. Allez, vas-y. Allons dans le fight, les gars. Allons dans le fight! C'est parti! Il est bien le jeu. Moi, je kiffe. Si vous aimez les jeux tour par tour, comme Dofus, Fire Emblem, etc., je pense que vous kifferez, c'est sûr. Là, on l'a mis en mode dur, en mode exigeant. Oh, waouh! Ah non, mais là, il me faut Luigi, mec. Mais frérot, là, il me faut Luigi. Non, mais en fait, c'est impossible. Dans aucun monde, j'ai pas Luigi, là. C'est que des mecs derrière des trucs loin. Les super effets peuvent être appliqués à tout le monde, donnant naissance à un comportement unique. Ici, super effet brûlure incendie la cible. Les super effets sont efficaces contre les ennemis. Si vous faites en sorte de contrer leur résistance et d'exploiter leur faiblesse, par exemple, le sniper est vulnérable face à la brûlure, ok. Équiper l'un de vos héros avec Pyrostar peut être un moyen d'avoir un avantage stratégique. Alors, les gars, faisons le point. Donc, il y a un snipe qui est juste là, lui il faut lui brûler le cul, et un lapin qui est juste là. Ok. Ensuite, si on se met en exposition, eux, est-ce qu'ils nous atteignent? Je pense qu'ils nous atteindront de là où on est. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas la moindre idée. Là, il y a trois gars normaux, et puis là, il y a un snipe. Non, il n'y a pas de snipe, il n'y a pas de snipe. Si, il y a un snipe ici, pardon. Il y a un snipe ici. Ils craignent la brûlure. Et eux, ils craignent neutre, aucune résistance ni faiblesse. Ok. Et il y a deux snipes à la fin. Est-ce qu'il faut pas qu'on prenne que des gars capables de niquer les gens derrière les murets, tu vois? Quoique non, parce qu'en fait, eux ils nous atteignent de là où on sera ou pas? Peut-être. Le sniper nous a... Deuxièmement, il n'y a pas de sniper, donc je pense qu'on peut finir ici, ils nous atteindront pas en vrai de vrai. On peut finir là, ils nous atteindront pas, je pense. Ensuite, on va se TP, on va se retrouver collé, quoi. C'est ça le blême. C'est qu'on va se retrouver là. Donc là, on va forcément prendre des coups, parce qu'on n'a pas d'abri. Alors le mieux, ce serait d'aller là, de sauter. Dans tous les cas, on va prendre des coups, les gars. Dans tous les cas, on va prendre des coups. On va être obligé de prendre des coups. Mais je crois que le truc qui ricoche, ça peut être pas mal, parce qu'ils sont tout le temps très collés, là. Donc vas-y, tu sais quoi, la surface, on va y aller comme ça. On y va comme ça, les gars. Let's go. Alors, ah merde, lui, j'ai pas la brûlure. La brûlure, elle est sur l'autre. Comment ça lui fait? Ouais, ça lui fait 0 dégâts, frérot. Faudrait que je me mette là en fait. Et que je tue lui là-bas. On va faire ça. On va faire ça. Oh, il est mort! Nickel! Comme ça, le snipe il va devoir venir au corps à corps, mais ça va grave l'emmerder. Lui d'ici, il peut taper ou pas? Ouais, il peut taper. Bah, le problème, c'est que c'est pas opti du tout contre une mono cible, on va pas se mentir. C'est pas opti du tout. Est-ce que je le claque maintenant? C'est une gâche. C'est une gâche. Là-bas, ils pourront me taper ou pas? Bah, tu sais quoi, on va voir. On va voir s'ils ont la portée. C'est intéressant. 104, pas mal. Putain, je fais 2 critiques. Ok, mais on va voir ce qui se passe. Ils se déplacent pour me tirer dessus? Ouais. Ok. Ok. Bon, pas ouf. Le problème, c'est qu'il va me remettre une rousse. Faut que je me mette collé à lui. Je peux pas le balayer, mais si. Ah, mais voilà ce que j'aurais dû faire depuis le début, mec. Clac, clac, bam, bam. Ah, mais voilà ce que j'aurais dû faire. J'avais zap ça. On le balaye. Non ! Annule ! Ok. Ok. Ok, là-bas, ils font rien, parce que c'est genre étage par étage. Donc maintenant, comment on fait quand on arrive là-bas ? Si j'utilise ça, ça me TP au pif. C'est genre un de chaque côté. Ah. Ok. Je suis à l'abri si je vais genre là. Non, je peux me faire toucher. Les gars, il faut jouer. On est en mode exigeant, les gars. Il faut jouer bien. Ok. Par contre, toi, tu peux sauter et atterrir genre derrière un truc là, quoi. Genre là. Voilà. Ok, très bien.
super. Ils vont se rapprocher en toute logique. Voilà, ils se décalent un peu, ils se reniflent les fesses, ils savent pas trop quoi faire, ils sont pris de panique. Et là, vous voyez, c'est là où c'est, on a un bon coup. Oh non, je suis pile à une case. Oh non, jure, non, le sketch, frérot. Si je me mets là, ils peuvent pas me taper, en vrai de vrai. Bah, tu sais quoi, faisons le test maintenant, comme ça on saura. Ok, maintenant ils ont une chance sur deux de me toucher. Lui il va tenter Mario, est-ce qu'il me touche? Il me touche pas, super. Ok, maintenant ce qu'il faudrait c'est qu'avec lui... Tac. On va se mettre là. Et là logiquement... Ah merde ça remonte. Ok, faut que je fasse sur lui alors. On va se mettre en flamme. Et on va taper celui de gauche. Là-bas, de toute façon, normalement, c'est level par level. Là-bas, ils me toucheront pas. Faut que je tape eux. Maintenant, est-ce que j'ai pas plus intérêt? Non, faut que je reste là. C'est très bien. Swash. Ok, ça les fait panique. Ça fout la zizanie totale. Ils sont pas morts. Mais ils sont mal placés. Ce qui veut dire que Mario peut les finir. En se mettant là. En tuant lui, puis lui. Hop, c'est terminé. Magnifique. Là, on va forcément se prendre un hit, mais de toute façon, c'est inévitable. No snapper! Lui, il peut viser du nid à l'autre. Waouh, mais calmez-vous. Je suis mort. Bonsoir, bon, avec lui là. Pourquoi 0%? Le problème c'est que je suis obligé de faire ça. Parce que sinon celui qui va me taper c'est le snipe. Le snipe je peux pas me faire taper par le snipe, il fait trop mal. Je suis obligé de faire ça, c'est nul, je vais peut-être me reprendre un hit. Au moins lui il va tirer dans le caillou. Il va rien faire. Ok. Vous voyez, il y a déjà de la strat, hein, c'est ouf, hein. En vrai de vrai, il y a déjà de la strat, frérot. J'ai autant de tours que je veux, on est d'accord, je suis pas capé en tour. Genre je fais ça, je gagne un tour, je suis trop bien. Comme ça, je peux temporiser, récupérer tous mes sparks, tous mes trucs. Smart, ça. Allez, allons-y. Ok. Utiliser, ça fait quoi? OMG. Ah, mais la truc, il a matin le snipe. Non, j'ai le droit de bouger après ça? Ouais, c'est bon. Il me met à l'abri. Lui, il est à l'abri. Mais lui... S'il peut... Si je peux... Ah non, il va me tuer en diago. Wow, je vais être obligé de prendre cher. Je vais être obligé à un moment donné de prendre le risque du 1 sur 2 ou de me faire exploser la gueule. Je vois pas comment je peux faire autrement en fait. Attends, j'ai quoi dans mon sac? 30% des PV. C'est peut-être pas con là. Même lui hein. Ouais, je vais me prendre un petit 30% de PV. Lui aussi, parce que ça me prend un tour. Ok, est-ce que je m'envole pour aller derrière le caillou là-bas? Le problème c'est que le snipe après en Diago il va... Attends, viens en fait. Ça se trouve il me touche pas en fait, même en Diago. Si je suis là, je suis pas sûr qu'il me touche. Bon, je pense qu'il me touche pas. Ok, testons. Est-ce qu'il me touche? Non, il me touche pas, mais par contre il a niqué mon truc. Après il y a deux snipes derrière, frérot. Oh les bâtards! Ah bâtard, lui il me touche. C'est une chance sur deux en fait derrière un petit caillou. Oh. Waouh! On dirait bien que je suis à sec, mon frérot. Si je me mets là, le snipe il me touche. Et là, je vais vraiment me faire démolir. Donc là. Putain, faut vraiment parier sur le 1 sur 2. Aïe. Faut que j'active ça à 100%. On va devoir parier sur un 1 sur 2, on n'a pas le choix les gars. On n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas le choix. Je vais quand même claquer ça. De toute façon les tâches d'après on n'a pas besoin de les tuer puisqu'on va direct se TP au truc. Faut juste résister à cet état, en fait là c'est la fin. Parce qu'après quand on atteint la zone verte là-bas, le level est fini. Donc lui je peux le niquer, mais est-ce que j'en ai envie? Complètement, quelle question. Ah putain, je le tue pas. 40% de chance de crit. Allez, on va crit. Ok, large. On est large.
maintenant lui, on va devoir aussi parier sur le 1 sur 2. On n'a pas le choix. Est-ce que je l'atteins? Oui, je l'atteins. Magnifique, frérot. Et ce qui est cool, c'est que je peux remettre ça, ce qui fait que je les tue. Et là, normalement, ils vont mourir de brûlure. Normalement, ils meurent, non? Ouais, ils meurent de brûlure. Oh, j'ai eu peur! Ok, lui, il a une chance sur deux. Il nous a pas touché. Il nous touche là où il est? Ok, il nous... Ah, lui, par contre, il va toucher mon Luigi, ouais. Ouais, ça, c'était sûr. Ok. Donc, c'est pas grave, parce que une fois qu'on est là, en vrai, on est bien. Il faut juste lui mettre plein de tête. C'est quand même peut-être pas le meilleur perso à prendre là, lui. Mais bon, on saura. Lui. Ah putain, je suis à deux doigts de l'avoir. Merde. Je le touche de là ? Oui. Ok. Bah, je pense que ça va le faire, les gars. Parce que les deux derniers, il n'y a pas besoin de les battre. Les deux derniers, on doit juste se taper dans la zone. Je pense que là, il tue personne. Bon, mon Luigi va prendre un petit 200, mais voilà, voilà, normal. Là, il me touche pas. Une chance sur deux, faut vraiment que j'ai pas de chance pour qu'il y en ait un qui meurt. Ok. Là, on va faire ça. C'est pas grave, parce que normalement l'outil va pouvoir atteindre le truc, donc c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, dis-moi que c'est pas grave. Il me faut une bonne nouvelle. Si je fais ça... Ah mais non, faut que j'atteigne, je vais pas atteindre. Oh putain. Lui, faut vraiment que je le mette safe ou il est mort. J'ai envie de le laisser là, comme ça Mario après je le saute, machin. Je pense que j'atteindrai le truc, non? Ou je grid et je vais là? Je grid et je vais là? Il va me tuer 100%. Il va me tuer. Après, je peux prendre un champion encore. Sinon, j'attends là et je pense qu'après Mario, ça peut le faire. Genre, est-ce que je peux passer au-dessus de l'eau là? Les gars, je prends le pari. C'est maintenant que tout se joue. Courage, chat. C'est maintenant que tout se joue. Faut juste pas qu'il me tue Luigi. Ok, une chance sur deux. J'étais pas prêt. Ok. Ok, ok, ok. De toute façon, là, ils vont me le péter. It's ok, c'est win. Je vous jure que c'est win. Mais ça. Non, non, on le passe. Hein. Normalement, ça le fait parce que je suis derrière ce truc et comme ils vont me le péter, je vais pouvoir avancer en fait. Ok. Normalement, ils vont me péter mon bloc. Voilà, ils vont me péter mon petit bloc. Si j'ai de la chance. Ah putain, j'ai pas de chance. Mais on a gagné! Bon, on a perdu un perso. Ça veut dire qu'on va devoir. Notre budget pièce à l'année, là, avec ce skill, il est quand même très élevé, quoi. On va devoir acheter genre un milliard de champignons non-stop. Bon. C'est la vie, vous me direz. On l'a fait, hein. Juste à quel prix, quoi. Lui, je le kiffe, faut que j'apprenne à l'utiliser. Je suis sûr qu'il est fort. Alors, méchant ou gentil? Non, c'est un nouveau perso, les gars, c'est sûr. C'est un nouveau perso, il rejoint l'équipe. Ah non, c'est un méchant. Est-ce que c'est genre un être solitaire qui... C'est un nouveau perso, c'est sûr. Waouh, il a l'air fumax. Au moins qu'il me vole mes trucs.
Il est gentil, c'est sûr. Ok, premier boss. Ok, premier boss. Alors, là il faut analyser, là les boss, vaincre Grifuxia, eux ils sont chiants, ils font méga mal, genre faut pas rigoler avec eux. Ah, on va le jouer, c'est sûr. Là on a 3 héros sur champ de bataille. Ah, je peux pas changer mon équipe? Si, je peux changer mon équipe, bien sûr que si. Ah, j'aurais dû analyser avant, attendez. Chaque chose, chose en son temps. On analyse. Donc il y a eux, les classiques, il y a lui, venez on l'analyse. Qu'est-ce qu'il fait? Inapte aux charges, l'utilisateur ne peut être ciblé par les charges. Il a des résistances à tout, brûlure et tout. Il a 2300 HP, putain. Il poursuit avec Crash son adversaire le plus proche pour déchaîner des attaques de zone, infligeant d'incroyables dégâts. S'il est touché, il charge furieusement sur son assaillant pour lui asséner une attaque supplémentaire. Donc il me faut un snipe, c'est obligé, il me faut un snipe sur cette map. C'est 100% obligé, il me faut un snipe et des gens polyvalents. On va faire que de fuir et de taper de loin. Et lui, il fait quoi? Maîtresse des lames, le vitesse pouvoir d'aide lui permet de cibler plusieurs ennemis et de blesser chacun d'eux en une seule et même action. Lorsqu'elle est lancée sur un ennemi, elle ignore les abris partiels et frappe plusieurs cibles sur sa route avant de revenir. Pas mal. Technique tornado lame, les cibles à portée reçoivent 140% de dégâts ainsi que tout super effet si l'une d'elles se déplace dans une demi-heure. Magnifique. Nova armure, les alliés à portée subissent 25% de dégâts en moins. Magnifique. Et elle a sa charge et un saut d'équipe. Elle est extraordinaire. Pour moi! Pour moi! Monsieur Rebond, il dégage. Et on va mettre Luigi. Et attends, lui c'est quoi son arme là? Lui là, c'est quoi son arme déjà? Ah oui, c'est le truc qui passe par dessus. Mais je pense qu'on va jouer ça, mec. On va jouer. Oh non, Mario il est polyvalent, il est pas mal. Non, je pense qu'on va jouer. Quoi qu'on a un gros tank bourrin au corps à corps qui va tous les niquer, qui fait des AOE. Un snipe et elle qui tire de derrière. Je crois que c'est bien, les gars. Je crois que c'est bien. On va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Je crois en ma théorie. Je crois en ma stratégie. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on dégage Mario pour mettre elle. Qui fait des tirs par-dessus les trucs. Je pense que ça peut être pas mal. Comme ça, je reste caché. Et en plus, elle soigne, ouais. Allez, magnifique. Ok, ça le fait. C'est parti, les gars. Ah ouais, à cette distance! Ouais, elle est full. Oh, en plus, ça revient! Ah ouais, mec. D'ici, il va pas m'atteindre l'autre derrière. Si, vous pensez il m'atteint? Attends. Est-ce qu'on peut savoir? Bah non, sa portée, elle est nulle de ouf. Ça, c'est leur portée, non? Quand j'appuie sur A. Ouais, c'est leur portée. C'est leur portée. Donc, elle direct, on va viser le gars qui est... Ah non, parce que là, il va me sauter dessus si je le touche. Les gars, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et il fait quoi mon L? Les alliés à portée, c'est plus 150 gamons. Ok, ok. Les gars, y'a qu'un moyen de le savoir. C'est bloqué. Waouh! Alors là, je suis abasourdi. Ouais. Ouais, vas-y. On est caché. Mais je pense qu'on va faire un perfect, hein, je vous dis. Hein. Sur ma vie, on va faire un perfect. Là, ça sert à rien. Si, il faut le finir, sinon il va faire chier. Voilà, faut le tuer. Magnifique. Ça, c'est quoi? Il fait quoi déjà? 25 dégâts destinés aux héros sont rendus vers l'ennemi. Pas nécessaire. Il faudra le mettre justement sur un tank. Ok, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien du tout, il va tirer dans de la pierre. Et le big, est-ce qu'il... Ok, non, il se déplace à deux à l'heure. Regardez, on dirait des portails de confusion. Ah bah, Luigi va pouvoir niquer le portail. C'est-à-dire, ça, en fait, ça m'oblige à avancer, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Ouais, le bleu, qui va venir vers moi. Après, je peux me mettre là, mais du coup, le gars là-bas, il va me toucher, ok. Lui, il faut obviously qu'il recule, sinon il va se faire sous le vax, mais dans tous les sens. C'est une catastrophe. Et en même temps, on a bien envie de lui faire très très mal. Allez, on y va.
Il s'approche un peu. Normalement, il m'atteindra toujours pas. Elle, on va la faire aller vers là. Il faut qu'on tue ce type. On va lui tirer dessus. Ça, un critique, pitié. Ah, c'est que des critiques, pardon. Ok, je l'ai pas tué. Prochaine fois, il est mort. Et le luge, le Luigi. J'ai envie quand même de le mettre. Si je fais ça, le problème, c'est que lui, s'il vient vers moi, là, ça va le rapprocher. Ou alors, sauf si j'attaque par là. Si ça va le rapprocher de moi, ça va être assez chiant. Vas-y, tentons pour voir. Ouah, 300. Ah, super, ça le rééloigne. Je vais les rendre fous. Ok, je vais prendre un hit sur Luigi, mais je pense qu'on s'en bat les couilles. C'est protégé, rien à foutre. C'est protégé, j'ai même pas pris de hit. Et lui qui se rapproche, ok. Mais lui, on va le rendre fou, en fait. Qui arrive de là? Un ennemi? Un ennemi, on s'en fout, on en a rien à faire. Ah ouais, non, ça c'est roule par contre. Parce que toi tu dois finir lui, donc moi je vais taper lui. Ah ouais, non, là c'est roule là. On va prendre notre temps. Toi tu vas forcément taper lui. Ok. Et toi, qui est extraordinaire, tu vas te mettre là. Une chance sur deux. Ah, je le tue pas? Mais si, je le tue. No way. Vas-y, j'active ma tendance de l'âme. Comme ça, le mec va sortir de là, je l'ai niqué. Ok, dommage. Ok, je pensais que je le tuais. C'est pas grave. Vas-y, passons. Il sort de son portail, il va se prendre une raclée. Il va s'en rappeler, je vous le dis. Raté. Lui, il va passer un sale moment. Regardez bien. C'est terminé. Rien de moins. Ok, bah on s'en sort à merveille, les gars, en vrai. Qu'est-ce que je vous dise? Alors le blème, c'est que là, il faudrait recommencer à fuir, en vrai de vrai. Si je me mets là, je trouve qu'on fait une super game. Voilà, je vous le dis, je suis assez fier de notre game. Il faudrait peut-être que je lui tire dessus par là. Ah, intéressant. Ouais. Ok, prochain truc, je le tue. Lui, il faudrait qu'il bouge genre ici. Comme ça, ça va permettre au luge de se barrer très loin. Ah, ça marche quand même. Waouh, mec, c'est ouf. Alors, on va peut-être se barrer avec Luigi avant. Regardez, on va peut-être se barrer comme ça. Voilà, lui, il va se barrer à l'autre bout de la terre. Il va se mettre là. Hop, on s'en bat les couilles. Clac. Et on va lui mettre une flèche, mon frérot. Elle va lui faire très mal. J'bra! Magnifique. Du coup, il refait le tour. Oh là là, on le mène en bourrique. Qu'est-ce que ça fait déjà? J'ai oublié. On s'en bat les couilles. Allez hop. Voilà, là il y a eu les 6. Ok, des fois ça touche 5 fois, des fois 6 fois. C'est ça le truc. Ok, allez, je vais me prendre un hit. C'est pas très grave, on s'en fout. Enfin, j'ai une chance sur 2. Ok, c'est passé. Bien joué. Putain. Décidément, ils ont trouvé une ouverture. Ah, là par contre, Peach est vraiment dans la merde. Faut que je bouge Peach absolument. Des nouveaux portails, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? En vrai, il a 840 de vie. Je me demande si je peux pas le tuer ce tour-ci, en vrai de vrai. Parce que lui, il va faire quoi? 240 à 330, ou tu fais 200 à 250? Non, je tue pas. Je tue pas. Alors, est-ce que j'ai pas un truc smart à faire pour tuer lui là-bas? Ah, de loin ça fait moins de hit. D'accord, je savais pas, ok. Ok, on saura. Il faut que tu bouges ou tu vas te faire allumer. Tu vas littéralement te faire détruire la gueule. J'ai envie de tuer le gros, comme ça c'est fait, je vous dis la vérité. Comme ça on n'en parle plus. De toute façon les portails là, il y en a deux au bout. Vas-y, je vais faire ça. Je vais finir avec lui, parce qu'il est quand même sacrément chiant. Luigi, il va se mettre tout derrière ici. Je
pense qu'on est pas mal, hein, les gars, en vrai. Combien il fait? 180 à 200? Ah ouais, il fait pas très mal. Il s'éloigne encore plus, mais en même temps, j'ai pas non plus mis l'endroit où aller. Est-ce que je tuerais pas lui? Non, j'en ai rien à foutre. Vas-y, comme ça, prochain tour, il est mort. Est-ce qu'il faut juste que je tue lui ou que je tue tous les adversaires de la map? C'est ça la question que je me pose là. Ça. Ah, quoi que. Vas-y, hein, de toute façon, je pense que je risque de me prendre un hit. Elle, elle heal de combien? 20% des PV. Ouais, ça vaut le coup que je la fasse bouger après. Et toi, t'as bientôt fini. Vas-y, on va mettre ça au cas où il se prend un hit. Ok. Ok, lui, logiquement, il va toucher Luigi, une chance sur deux. Et voilà, c'est la bonne, c'est pour ça que j'ai mis les protections au cas où. Normalement, lui, il pète juste le truc, voilà, on est bien. Lui, il se rapproche, et là, lui, prochain tour, il est mort, normalement. Là, il y a des mecs qui sortent. Je pense que quand je tue le boss, c'est fini. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, c'est fini, la game est finie. GG chat. Exigeant, ont-ils dit. Mais regardez quelles sont nos exigences. À quoi que Luigi, attends, je fais le mec, mais Luigi, il est... Ah, ok, je sais, faut que elle tape avant, en fait. Ouais, faut que elle tape avant. Comme ça, ça va l'attirer, ce truc-là. Ça va l'attirer, en fait. Voilà. Ensuite, avec Luigi, je cours le plus loin possible. Je tape ce frérot. Je vais lui faire... Ah, pas sûr que je le finisse, tu vois. J'ai parlé un peu vite. Dommage, pas de critique. Ah, j'ai peut-être parlé un poil vite. Ah, si, c'est bon. Celui qui se déplace prend une balle instante. Et lui aussi, je l'ai, donc en fait, normalement... Ah, il est insensible au super effet ou pas, lui? Attends. Non, c'est bon. Bah voilà, bah on est bon. On est bon, j'ai juste à faire ça. Il est mort. C'est win? Faut tuer les autres? C'est fini, GG chat! Easy win! Easy win! Le nouveau perso, il est extrêmement fort par contre, c'est abusé. Il est vraiment, vraiment très, très fort. Il est vraiment, vraiment très, très fort. Vous voyez les combats avec les boss, c'est intéressant. Je me souviens, il y avait des combats où il y avait 4 gros monstres comme ça à la fin. C'était genre abusé. T'aurais dû soigner, ouais. Faudrait que je fasse exprès de perdre du temps sur les tours quand je peux pour soigner. Ça m'évitera d'utiliser des champignons. Alors, on en est. Vous avez le Spark, let's go. Pas une chasseuse, n'est-ce pas? Formidable! Ok, on a géré, franchement les gars, je suis fier de nous. Troisième emplacement d'équipe. Ah, c'est ça qu'on veut. Bon, déjà, il faut tout le temps elle parce qu'elle va heal. Je vais la faire heal dès le début de ses tours 1. Je la ferai jouer en premier, bam, elle heal. Bah là, j'aimais bien ce que j'avais, c'était pas mal en vrai. Hein. C'était pas mal, je suis content. Un cristal d'énergie sur deux, nouvelle quête, entrée dans le phare. Ok, on a ça pour améliorer nos trucs. Ah, c'est vrai que je l'ai pas fait ça. C'est vrai que j'ai pas amélioré mes sparks. Bah le best les gars c'est le brûlure, hein, on va pas se mentir, le brûlure il est extraordinaire. Pour le moment les best c'est le brûlure et lui. Voilà. Mais le brûlure il est incroyable. Si tu l'améliores il fait quoi? Plus 10% utilisation de dégâts par arme. Et protection anti-brûlure, on passe à 25. Bah les mecs c'est le meilleur. Ah et tu peux acheter une potion aussi en bas. Vas-y, rend 2 direct. Pour débloquer le niveau suivant, héros doit au moins atteindre le niveau 9. Ah ouais, donc c'est dans longtemps. Celui de Mario est pas mal aussi. Hein. 20% de dégâts supplémentaires avec leur attaque et capacité de déplacement. Tu sais, quand tu te set up un gros tour où tu veux faire beaucoup de dégâts, franchement, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est mon deuxième préféré. Allez, on l'augmente. Voilà. Ok. Comment va la main de Squeeze? Bah tout va bien, qu'est-ce qu'elle a ma main? Il a déjà recommencé Until Down. Non, c'est demain soir, c'est Until Down les gars. C'est demain soir qu'on se fait le petit let's play Until Down. J'ai bien hâte, ça va être très rigolo. Je pense pas qu'on finisse en une soirée, même si on va essayer. Mais à mon avis c'est compliqué.
C'est quoi le halo là? Pourquoi je peux pas y aller? Il y a trop de trucs secrets, mais en même temps il me faut une pelle pour déterrer des trucs ou je sais pas quoi là. Ah, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il veut? Si seulement je pouvais résoudre ça, je montrerai à tous. Résoudre quoi? C'est une énigme? Monsieur, tout va. Bipo, c'est le professeur Crapahut. Ah bah c'est ça. C'est ça, c'est pour lui que je dois creuser. Les énigmes séculaires. Je crois que quelque part dans cette pièce, la solution à l'énigme du temple du littoral lumineux. Un manuscrit que j'ai traduit, la chambre aux fils, vous comprendrez lorsque vous entendrez l'énigme. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. La brebis galeuse s'enfuit vers l'aube espérée. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. La brebis s'enfuit vers l'aube. Les peintures dans le temple sont d'une beauté envoûtante, j'ai aussi l'impression qu'elles sont connectées à l'énigme d'une manière ou d'une autre. Je suis le plus gros imbécile que la Terre ait porté en termes d'énigmes. Donc je pense qu'on peut juste tourner les trucs. Ok. Donc le roi épingle, je sais plus quoi. Ok. Ok. Et ça c'est quoi? Et il y a un diagonale ou pas? Non. Il n'y a pas un diagonale. Et lui doit être tourné vers le soleil, je pense, probablement. Et lui est tourné vers quoi? Attends, le soleil, il est forcément tourné vers lui. Ah, ça se défait? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. C'était quoi l'énigme? J'ai oublié. Le roi et les tableaux ont un lien. En temps de guerre, il fut demandé à Ogi de rester en retrait pour surveiller le bêta. Ok. J'ai besoin de réentendre l'énigme. Le roi épingle l'étoile sur son fils préféré. La brebis galeuse s'enfuit vers l'aube espérée. Donc vers le soleil. La brebis s'enfuit vers le soleil et le roi épingle son fils préféré. C'est qui le roi? C'est lui? Lui il dit non à un gars et pouce bleu à un autre. Dans tous les cas, il est forcément comme ça, il va pas dire non. Il peut que être comme ça, parce que s'il fait ça, ça a plus de sens. Ça veut dire qu'il dit non à un truc différent, lui il est forcément comme ça. Lui... Bah, je dirais qu'il est vers lui. Épingle son fils préféré c'est lui. Ou alors l'autre s'enfuit vers l'aube, ça veut dire qu'il est genre le soleil vers lui. Est-ce que je suis méga con les gars? Le soleil vers lui qui s'enfuit vers l'aube. Pas ça? Si c'est ça, voilà, super. Excellent. Allez. D'accord. Pose sur l'étoile, c'est nul! Nul! Oh, on peut acheter une arme, bâtard! On peut acheter une arme! Et on va acheter une arme, comptez sur moi. On va s'acheter une arme. Attends, il me donnait pas un truc si je finissais sa quête, lui là, il est pas content là. Donne-moi une pelle, frérot, j'ai des trucs à déterrer. Dites-moi, je vais faire l'étage, c'est nouvelle que l'histoire reprenne vie. Surtout une histoire de rotation. Alors oui, enfin. Il m'a rien donné? Il m'a rien donné, pardon, my bad, j'ai repris ça. Il m'a rien donné. Ok, il m'a rien donné. Et là-bas, ça donne accès à quelque chose. On va pouvoir acheter une arme. Et on va tous acheter une arme pour le nouveau perso. Ouh, il y a un niveau à faire. Level 5, merde, j'ai pas level 5. Mais on va le faire easy. Easy. Pour déterrer les choses, faut juste tourner avec ton personnage dessus. Je te crois pas. Jure, j'ai fait cette erreur là, vraiment là. Mais non. Je te crois pas. Atteindre la zone, c'est que des bombes. Ah non, il y a un big monstre à un endroit. On va pouvoir acheter deux armes, les gars. Donc, il y a des bombes. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un fat à 819, quand même. Faiblesse, éclaboussure, résistance, brûlure. Il poursuit et crache son adversaire le plus proche pour déchaîner ses attaques de zone, infligeant des big dégâts. Ok, nul. T'es nul. Ok, toi aussi, t'es nul. Je crois que j'aime bien la team actuelle, les gars, avec Luigi. Alors, il y a un perso qui sert à rien. C'est le heal. Mais en même temps, on va se heal
durant cette game. Donc en fait, il sert. Allez, on y va. Allez, on termine ça. Regardez, on va se mettre là. Hop, c'est parti. Non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop, on heal. Allez, on y va. Ça... C'est quand même vital dans les petits combats de merde comme ça, tu vois, ta team ne récupère pas d'HP entre les combats dans le jeu, ça qui est fourbe. Magnifique. Bah là les gars, en vrai y'a pas grand chose à faire hein, à part avancer. Hein. Ouais, on va pas se prendre de tir d'ici en vrai. On va pas se prendre de tir. On se mettre là. Là, clac, clac, clac. Ah yes, c'est terminé. Fin du tour, allez. Il y a juste lui là, on va devoir le snipe dès qu'on peut. Ok. Je pense que je vais m'envoler. Allez, je vais rusher un gars, je vous le dis, hein, je suis un beau. Hein. Faut juste pas que je tombe dessus, quoi, ce serait chiant. Ok, j'ai perdu de la vie pour rien, j'ai la haine. Ah, j'avais oublié ça. Putain, j'ai perdu de la vie pour rien, je suis dégoûté. J'ai perdu de la vie pour rien, bon, c'est pas grave. J'ai mon heal dans deux tours, je pense que je vais pouvoir le recaler en fait au début de ce combat, en vrai de vrai. Je vais attendre pour gagner. Ouf, quoique, dans Luigi là il peut y aller et lui mettre une balle, on va en profiter. On va en profiter. Alright. Bra. C'est vrai que ça le fait avancer le bâtard. Ça le fait avancer. Il nous atteint pas normalement. S'il nous atteint, ça peut rire les gars. Alors là, une clim mon frérot. J'ai attrapé un rhume. Je suis bouche bée. Je peux pas vous dire mieux, je suis bouche bée. Je sais ce qu'il faut faire. Je pense savoir ce qu'il faut faire. Faut utiliser les bombes pour les envoyer dessus. Je pense. Oh là là, mec, ce qu'on s'est mangé. Oh. Faut envoyer toutes les bombes sur lui, en fait. Genre, quand on fait péter les bombes, là, quand on les... faut le tacler des bombes et les envoyer dessus, en fait. C'est juste ça. C'est sûr que c'est ça qu'il faut faire. Donc, il y en a une, on va l'éliminer. Genre, elle, on va l'éliminer en mode normal. Voilà. Et les deux autres, on va les envoyer sur le gars. Voilà. Et les deux d'après, on va les envoyer sur le gars parce qu'elles sont collées, hein, donc on peut les slide. Apparemment, là, je fais de la merde, j'aurais dû le tuer avec, mon spa. Allez, vas-y. On va se mettre là. Je pense qu'elle nous atteigne pas. Ok. Je peux balayer les deux ou pas d'affilée? Ouais, je crois, hein.
Lui il avance quand même, hein. Il fait genre qu'il avance pas mais il avance, hein, ce bâtard, hein. Si je vais avec Peach, attends. Non, Peach elle doit heal après. Attends. Je vais avec lui. Genre si je fais un slide là, ça tue les deux ou pas? Évidemment que non, hein. Terminé, ma peau. Mais non. C'est parti. Mais ça veut dire que la deuxième, normalement, on est bon. Attends. Parce qu'elle, elle est un tout petit peu devant. Mais t'es sérieux, là? Il a un pied dedans. Ah si, ça a le touché. Putain, c'était juste pas affiché. Ah, oh, j'ai le... J'ai envie de le laisser là. Là, il m'atteint pas en deux touches. Il m'atteint en deux touches. Ah, j'ai pas vu que ça le touchait, pardon les gars. Est-ce qu'il m'atteint en deux touches? Enfin, genre je le tape une fois, est-ce qu'après il va m'atteindre? Il y a moyen. Est-ce qu'il va m'atteindre? Tu vois, en deux trucs. Ok, on teste. Vous avez du nom les gars, vous êtes responsables. Ça va être très compliqué là. En vrai les gars, faut prier, je peux pas le tuer maintenant. Prions. Les gars, Revito chat. C'est pas possible. Je vous avais une mission, vous la respectez pas. Putain. Oh, on va pas le faire mille fois ce combat de merde, les gars. Franchement. Tous en scène. Je t'avais dit non, vous avez tous dit oui. Vous avez tous dit. Mais j'ai pensé que oui. Mais est-ce que ça, à mon avis, ils t'atteignent pas là, c'est pas possible. Vous avez tous dit ça comme ça précisément. J'ai entendu vos voix. C'est honteux, hein. Bon, au moins on va pouvoir jeter les deux bombes cette fois. Allez, on y va, let's go. Bim. Au moins on sait comment le tuer maintenant, ça. On est tranquille. Voilà, toi on va te mettre là. Toi pareil, tu vas rebondir sur Lapin Peach. J'avais pas compris la question. Mais non, mais ça c'est ce que tu dis à tes professeurs quand on marre de toi, qui convoquent tes parents, voilà ce que tu leur dis. Tu dis pas ça aux autres. Mais où est-ce qu'on est là? En fait, ce qui est compliqué, c'est que les tigres, ils sont de face, donc tu peux pas les mener en bourrique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le plus simple, en vrai, serait de lui tendre un guet-apens ici, en fait, à ce tigre de merde. La vérité, hein. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, hop, c'est décidé. Attends, non, il faudra que je recule après, en fait. Là, je peux rester là. Bon, tuons-lui, déjà, il sert à rien. Voilà, on peut passer. Ils vont avancer, voilà, je vais tacler et tirer sur les deux. Allez, c'est bon, c'est win, c'est gagné, GG easy. L'homme, c'est qu'il va s'avancer, ce trou de balle. Ah ça, en plus, ça le fait pas avancer. Ouais, c'est génial. Je vais aller tout là-bas, hop. Toi tu vas faire la même. Ça qui tue, c'est que ça le fait pas avancer en fait, c'est super bien. Reculer aussi avec lui. Quoique lui en vrai de vrai, je peux lui mettre une petite rouste vite fait là. Je vais pas toucher là, jamais une touche. C'est une touche, c'est le plus gros scandale que j'ai. Mais après il peut plus bouger. Je suis trop con frérot. Je pense qu'on tue les gars.
Est-ce que si je le tape là, ça va activer nos deux trucs? Parce qu'il va bouger du coup. Je teste. Là, ça compte comme un mouvement. Là, il va bouger. Et voilà! C'est terminé, frérot! Dégage-le! Allez, on est bon. Fin du tour. Hop là, je dégage de là d'ici. Là-haut, je pense qu'on va l'attendre 1000 ans, lui. On va l'attendre. On va même pas chercher midi à 14h. Ah merde! On est obligé d'atteindre la zone quand même un jour, j'avais oublié. Ça c'est bon, ça c'est bon. Mais en même temps, c'est galère d'attendre qu'il monte, c'est chiant de ouf quoi. En fait, je peux pas taper d'en bas. Tu vois, je peux pas taper d'en bas, c'est ça qui est vraiment relou. Ah non, mais là faut attendre pitch de toute façon, vas-y, de toute façon faut attendre pitch. Je vais même le mettre là, comme ça elle pourra rebondir dessus. Bon, c'est des bombes qui arrivent, on s'en fout. Bah tant mieux, tant mieux. En fait, je pense qu'elles sont là pour m'aider même carrément. Trois bombes. Ok, bah je sais ce qu'il faut faire, faut sauter au-dessus. C'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. J'ai totalement compris ce qu'il faut faire. Merde. Voilà. Ça veut dire Luigi, on peut le mettre là en fait. Ok. Là, on saute, on y va. Faut juste qu'il y en ait un qui passe au-dessus en fait. C'est juste ça l'histoire. On va les mettre genre là, je pense que c'est pas mal. Lui, on va tenter de viser là-haut, mais à mon avis, ouais, c'est mort. Ah si, 50% mec. Donc, tout à l'heure, ça marchait pas avec les escaliers. Un bug ou quoi? Putain, Luigi, il nous carie de fou, hein. C'est un délire. Là on peut clairement lui l'allumer en fait, hein, on va dire les termes. On peut lui allumer le trou de balle, regardez-moi ça. Waouh. Incroyable Luigi. Incroyable ce Luigi. Est-ce que je le tue? Je ne le tue pas, hein. Du coup je vais décéder. Attends, il a combien de vie là? 248. Bah je le tue, c'est obligé. Avec Peach. Il se rapproche. C'est pas un problème. On le tue avec lui, avec elle. Voilà, let's go. Allez, GG chat. Il reste les 3 bombes. Ok, on va se reprendre des bombes. On s'en fout, on va pas se mentir. J'ai juste à faire ça, ça va tuer toutes les bombes. On est bien, on s'en sort à merveille. Je peux pas vous dire mieux. On s'en sort à merveille. Luigi, il a un peu de retard. Faudrait que lui vienne le chercher. Voilà. Magnifique. Franchement, les gars, on fait une perfect run, hein, par rapport à tout à l'heure. Y'a rien à dire, c'est magnifique. Mais dis pas que c'est un big tigre, dis-moi que c'est des petites bombes. Oui, merveilleux, facile, easy. C'était des rounds de chauffe avant. De toute façon, c'est ça, hein, c'est le jeu. Tu fais des combats, ça se passe mal, tu les refais. Tu connaissais, hein. Allez, on y va. Là, on sait qu'ils sont plus tôt. On ne m'échappe pas. Putain, la route est longue, hein. Là le bout du chemin il est laisse tomber. Oh, j'ai oublié. Oh. Waouh, c'était pas loin. C'était vraiment pas loin pour le coup, putain. Bon, alors après c'est pas très grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va tuer ce truc. Ah, je le tue pas? Ah non, faut que je m'éloigne de ouf. Là je le tue, ouais, on le tue ici. Bang. Et attends, je pense même que je peux le faire comme ça là. Easy. Et voilà, et je pense qu'on va finir. Bravo tout le monde, on l'a fait aisément.
On l'a fait aisément. Tu peux heal. Ouais, mais non, regarde, ils sont max PV déjà. Parce qu'on est des joueurs extraordinaires. On n'a même pas besoin de heal. On est des joueurs extraordinaires. On a réussi. Putain, on était pas loin de pas réussir. Hein. Heureusement qu'on avait les tirs auto là. C'est, heureusement que c'était ces persos là. Hein, sinon, on serait mort. Du coup, on a une pièce, les gars. C'est un moment qu'on va s'abreuver. Parce qu'on va pouvoir acheter des nouvelles armes. J'avoue que c'est un peu ce dont on avait besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une enceinte? Une enceinte JBL? Pas la moindre idée. Remontons, passons à un shop. On est déjà level 6, ça va vite, en vrai ça va plutôt vite. Alors quelles armes pouvons-nous acheter? Est-ce que tous les shops vendent les mêmes armes ou pas là? C'est aussi ça que je me demande. Oh flemme. Attends, mais si ça mène à un truc, c'est quoi ça? Je l'ai pas vu ce truc avant. Si si, pas flemme du tout en fait. Pas flemme du tout en fait. Ce qui va nous aggro direct, on va l'esquiver, regarde. On l'esquive, on l'esquive, on l'esquive. Oh, il nous a balayé. Il nous a balayé fort. Ça sert à ce que t'aimes ce jeu. Ouais, moi je vous dis, j'ai quasi fini le 1 avant de rage quit parce qu'il y a un combat où je me faisais allumer en mode normal à l'époque. Moi j'adore les trucs au tour par tour. Après, c'est chacun sa sensibilité, hein, les gars. Moi je sais, c'est un gameplay qui me fait kiffer. Alors attends, c'est juste des champignons. Non, il y a un... je vois bien qu'il se passe quelque chose là, qu'il y a un ennemi. Vous le voyez comme moi. Vous le voyez comme moi, lui. Le vrai danger, il est là. Il s'appelle Sniper. Donc pour ça, il nous faut... Alors, qui fait le plus mal, en fait, en étant collé? Qui fait le plus mal? Parce que... Ah bah là, il a marqué les dégâts, là. Pas... Lui, il fait pas... Ah oui, mais lui, il fait plusieurs tours sur lui-même, donc lui, il peut faire mal. Lui, il fait pas mal. Lui, il fait très très mal de loin. Lui, il fait 180. Ouais, c'est à peu près comme... Non, lui, il fait... Non, si, ouais, c'est Peach. Ah non, c'est lui, c'est Tabascaoé. Bah, vous savez quoi? On va prendre cet énergumène. On va prendre cet énergumène au lieu de prendre lui. On va prendre le Tabasman, là. Et d'ailleurs, en Spark, on va lui mettre la flamme. Il est où? Il est là. Hop, on va lui mettre celui-là. Et toi, du coup, on va te mettre... celui-là. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Après les bombes, on peut les tacler, les envoyer. Ah non, c'est des pads, c'est pas des bombes, my bad, ce n'est pas des bombes. Pff, vas-y, gardons ça, ça le fera. Ah merde. Allez go. Ça le fera large parce que regardez, on peut tacler tout ça. Bam. Ah, ils sont morts en plus. Bon bah voilà. Et on va lui envoyer ça. C'est tout. Nul. On va mettre notre super, comme ça c'est fait. En fait, les ennemis snipers là, ils sont quand même assez redoutables en vrai. Ils font méga mal de ouf quoi. Lui, on va aller lui péter la gueule directement. C'est quoi ça déjà? Ah ouais. Ah ouais, non mais c'est clair que. Non mais lui, c'est fini, regarde. Mais mec, c'est terminé. Oh! Oh la déculottée! Oh! Waouh! On vient de découvrir un truc, les gars là. Oh la déculottée! Waouh, il revient plus jamais nous faire chier, lui, je vous le dis. Et en plus, on finit en beauté. Ah non, j'ai confondu. J'ai confondu les deux persos, my bad. Oh, je suis choqué de la déculottée. Ah ouais, la Paru, il fait vraiment mal. Bah, faut atteindre ta cible, mais une fois que t'es au corps à corps, ça fait très très mal. Waouh. Oski. Bonjour. J'adore. Je suis choqué de ce qu'on lui a mis, mec. J'ai énormément apprécié. J'ai envie de master la Paru là. C'est clairement le meilleur. En plus, il fait ses attaques en zone. Je pense qu'en fait, il faut un heal. Luigi qui tape de loin et Lapamaru qui va au corps à corps. Tu lui mets pas la brûlure. Parce que là aussi, on a mis la brûlure. C'est ça qu'il a fait très très mal. Mais tu lui mets le truc, tu sais, où il tank des dégâts. En vrai, il peut être assez incroyable. Attends, il n'y a pas un build où il réduit les dégâts absorbés, les dégâts subis. Attends. Parce que lui, c'est un malade quand même. Hein. Lui, il est ultra vénère. Attends. Arbre de compétences. Est-ce qu'il y a un truc genre... Attends, merde, je suis con. Il est là. Est-ce qu'il y a pas un truc genre... Non, déplacement, augmente la zone de déplacement. Bah ouais, comme ça, t'atteins plus vite les ennemis.
le nombre de charges, comme ça tu balayes les ennemis. Ah ouais, non, il est incroyable. Là, c'est les PV. La Pamao récupère 15% de ses points de vie après avoir remporté un combat. Aïe, 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 j'ai envie de le master, ce perso. Aïe, 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 c'est-à-dire, dès que tu tues un gars, tu récupères 15. Putain, c'est pas mal, hein. C'est la moitié d'un champi. Franchement, c'est pas mal, hein. Oh, les tabas KO de la Pamao infligent 2 coups supplémentaires aux adversaires. Non, mais mec. Non, mais mec, c'est un malade, ce perso. Et ça, c'est quoi? Portée du contre. Ouais, on s'en fout. Ouais, ça, c'est de la merde. Une dose supplémentaire de contre. Ok. Le contre, apparemment, inflige des dégâts supplémentaires en fonction des dégâts reçus de l'ennemi. Ah ouais, tu lui infliges 50% des dégâts reçus. Attends, quoi? Mais lui, il est... Ah ouais, d'ici. Ah ouais, non, mais lui, il est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on se dit... Est-ce qu'on vise le rayon de déplacement pour qu'il devienne vénère ou à la fin t'as plus 50%? Ou est-ce qu'on se dit qu'on mise la santé pour le côté vampire? Après, en même temps, est-ce que à la fin du jeu t'auras genre plein de petits monstres? Parce que là tu tombes sur un groupe de chomp-chomp là, ils sont 3, tu récupères 50% de tes PV quand même. C'est pas non plus de la merde. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça là, le côté je te balaye, tu te fais le tour de la map, tu mets des balayettes, ça a l'air assez gaulerie. Ça a l'air assez gaulerie. Après, vampire, en vrai, non, vas-y, mec, faut le jouer full tank, mec. Non, c'est trop fort, les gars, y'a rien à dire. Et l'arme, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire que la probabilité de crit, là, pour le moment, on s'en fout un peu, en fait. On s'en fout un peu. Et que si on met santé... Voilà. Et dans deux trucs, là, déjà, c'est... Il a 1600 HP, mec. Mec, je vais masteriser ce perso. Je le trouve génial. Voilà, vous savez tout. Alors, lui, on n'a rien augmenté, ça, c'est vrai. Augmente le temps du vol plané d'âge après un saut, on s'en fout. Augmente la possibilité d'effectuer un coup critique. Ah ouais, 60% de coup critique, ça devient pas mal. Augmente la portée de la lame. Ah ouais, ça devient vraiment pas mal. Et à côté, il a quoi? Augmente les dégâts infligés par la tornado lame. Ouais, donc c'est son... Ah, pas mal quand même. Et la portée. Ah, quand c'est actif, tu reçois 50% de dégâts en moins. Waouh, non mais je pense que lui pour le coup 20% de proba critique c'est quand même stylé quoi. Augmentation du halo. Waouh. Du coup ça touche les gens, ça double le halo. Non lui il lui faut ça, lui il faut ça. Lui je vous le dis tout de suite. Il lui faut 100% ça, il n'y a même pas de débat. Allez, prends ta portée, prends tes trucs. Et quand on en aura 4 on mettra ça, ça va être extraordinaire. Elle il lui faut du heal en fait, 100%. Bah ouais plus 10%, bah oui. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mais oui tu n'es pas là pour faire des dégâts. On s'en fiche de tes dégâts. Ce qu'on veut, c'est ton heal. Je passe de 20% à 40% de heal. Non, mec, c'est incroyable. Ah, par contre, je suis obligé de réduire à 0 ça. Mais... Ah, putain, c'est gourmand, par contre. Voilà, 40%. Et mec, mon build, il est fait, je vous le dis. Mon build, il est fait. C'est les 3 dont je parle. Par contre, des fois, il faudrait que j'alterne avec un Luigi qui, lui, pour le coup, doit faire très, 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 très mal. Ouais, les dégâts de critique font très mal. La portée de l'arme, elle devient encore plus abusée. Et qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre? La santé ou quoi? Ouais, non, lui, je pense qu'il faut juste qu'il one-shot les gens, quoi. 100% de critique quand t'es surélevé? Waouh, mec. Dégressivité des dégâts dans une zone de 8 mètres. Ok. Non mais lui c'est... Regarde mec, je peux tuer un gars qui est à l'autre bout de la map. Non, il est incroyable. Ok. Bah les gars, en fait, le blème c'est que lui, il rend obsolète totalement Peach avec son canon et lui avec son boomerang, on s'en bat les couilles quoi. Sa tornado lame, elle est extraordinaire, rien à dire. Donc ça c'est fait. Ensuite, comme lui il va foncer, on va pas lui mettre ce truc là, on va lui mettre le truc qui réduit les dégâts qu'on met. Il s'augmente en plus ses capacités de mouvement, c'est extraordinaire. Donc c'est les charges, c'est super les gars. Et lui ils infligent 30% de dégâts supplémentaires avec leurs attaques et capacités de déplacement. Ouais, ça c'est pas mal aussi. Bah faut choisir tu vois, faut voir en fonction de ce qu'on fait. Après ça tu subis moins 25%. Mais là, mais c'est ça qu'il faut mettre. C'est genre ça renvoie le... Non c'est ça qu'il faut mettre.
C'est super, les gars. Il va être ultra fort, notre perso. Donc ça, il faut le mettre sur Lapin Mario. C'est sûr. Ça, il faut le mettre sur Edge. Et Peach, elle a les alliés à portée infligent 30% de dégâts supplémentaires avec leurs attaques ou les alliés à portée subissent pour 25%. Comme on la met full support... faut lui mettre celui-là. Merde. Faut lui mettre celui-là. Là, les gars, notre build, il est intouchable. Je vous le dis, il est extraordinaire. 35% de réduction de dégâts maintenant, ça devient. C'est incroyable. Là, notre build, il est extraordinaire. Et là, vous savez ce qu'on va faire? On va acheter les deux armes parce qu'on a assez de trucs au shop. Et je vais jamais arrêter ce live. Ça y est, je suis piqué, putain. Je suis piqué. Fais chier. Ah, il y a un défi en cours. Ah, je suppose qu'on a perdu, là. On a été un peu long. Je suppose qu'on a perdu. C'est où? C'est là-bas? C'est où? Je comprends pas où c'est en fait. C'est dans le trou? Chad, vous comprenez quelque chose? C'est là-bas? Je comprends pas. Je suis bête. Ah, c'est ça? Faut descendre? Ah, c'est ça, pardon. Je comprends pas le but des pièces vertes en fait. Je suis désolé les gars. Je comprends pas en fait. Genre, quand j'en prends un, ça fait. Mais non, il se ramasse. Ah. Magnifique. Ça peut être pas mal en plus pour booster notre truc. Qu'est-ce qu'on a eu? Juste des pièces normales, ok, ok. C'est quoi ça? Tuyau verrouillé, spark nécessaire 8. Oh là là, il y a un de ces boss là-bas, regardez-le, il morphe quand il dort. Lui, il va nous enquiquiner, c'est moi qui vous le dis. Ok, vas-y, je veux acheter des armes. Où est-ce que c'est? Je me perds. Mais de toute façon, il y a un marchand dehors, donc venez, on se casse de là. Il y a un marchand dehors. C'était où le boss? C'était... Non, en fait, j'étais dans le bon sens là. Oui, oui, j'étais dans mon sens puisqu'il était là. Pardon, excusez-moi, je me perds dans les jeux vidéo. C'est des skins, c'est pas des armes. Je ne vous crois pas. Menteur. Je ne peux pas vous croire. Oh, regardez, 1600 HP mon Mario. Non, il va être, hein, ça va être hilarant les gars. On va faire le tour de la map et on va péter la gueule aux gens avec nos points. C'est des skins. Mais je m'en fous des skins là, j'ai déjà des meilleurs skins au monde avec Galaxy. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ça ira. Pièce planétaire, okay. Allez, on remonte. Entrez dans le phare. Ah ouais, en plus ça va être le vrai Ce qui est dans le coffre vous appartient, il y a bien cette caution dans cette maison. De toute façon j'allais jamais te le rendre mon frérot, hein, si jamais. Ok. Pour une fois, je suis en retard dû à une nouvelle, je vais être papa. Bonsoir le chat. Bravo! Félicitations mon vieux. Félicitations. Bravo Alex95, plein de bonheur à toi. Courage pour les nuits de sommeil cataclysmiques que tu vas te manger pleine tête. Je te recommande Mario Lapin Crétin pour te changer les idées. Hashtag. Courage à toi mon frérot. Non, bravo, bravo, c'est super, belle étape. Belle news. J'aime apprendre des excuses de son papa. Alors, désolé, je suis à plat. Je ne sais pas me battre comme vous tous. Et attends, là, les gars, je vous le dis, je vais courir partout là avec Mario. Mario Lapin. Je vais courir partout. Je vais mettre des papapa. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. En plus après on va augmenter ses déplacements, comme ça il aura v'là la vie et il pourra courir partout sur la map et faire des pouf, pouf, pouf. Ça va être hilarant mec. Vainque le garde qui protège l'œuf. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Oh! Le mien est né le 27 janvier de cette année, belle date. Putain c'est mon anniversaire. On a un point commun avec ton enfant.
Peut-être qu'il deviendra youtubeur. Peut-être qu'il aura une calvitie aussi. Peut-être même les deux réunis. Vaincre tous les ennemis. Alors, ok les gars, il y a une faille dans mon plan. C'est que eux, c'est vraiment le l'anti-perso que j'ai. Fait chier. Alors eux, l'arbin de feu, leur effet brûlure peut incendier plusieurs héros s'ils sont trop près l'un de l'autre, ce qui nous pousse à nous éparpiller. Alors, ok. Ok, ok, ok. Alors, attends, caméra tactique. Il y a lui qui est là, il y a lui le Big Boss 887 HP, c'est quand même beaucoup, il y a lui qui est là. Il y a des mecs là-haut, eux là-haut, faut que j'y aille au point en fait, faut que je leur pète la gueule. J'aurais peut-être dû prendre un Luigi en fait, je suis en train de me dire. Au lieu de du support, non parce que 40% de vie quand même c'est stylé tu vois. Moi je pense qu'on se barre là-haut. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà on va faire un choix obvious. Préparez-vous au choix le plus obvious de la Terre. C'est parti. Surprise! Ouh, 200 à la charge. Ouh, oupa, je te balaye. Je te pète la gueule, moi. Ouh, là, je te balaye. Ah, on a fait beaucoup moins mal que tout à l'heure quand il y a eu l'effet brûlure. Ça m'inquiète, ce qui se passe. Je crois qu'on s'est emporté. J'ai l'impression qu'on s'est drôlement emporté. On va pas taper lui, on va pas être con. On va taper lui, qui est juste là. Voilà, sa caisse elle a pété. On attend. Oh! Il m'a pas touché. Il m'a pas touché, je suis mort. Bah les couilles, j'ai tellement d'HP mec, je m'en bats les reins. Ok, est-ce que je peux les attendre? Ah les bâtards! Oh, à une case près j'ai un abri, putain je suis dégoûté mec. Mais en même temps, je crois que si je mets ça... Bah ouais voilà. Vas-y on va se mettre ça, on y va en mode méga bourrin les gars, on s'en fout hein. De toute façon j'ai méga des HP donc c'est le but tu vois. Et à l'inverse, pendant que lui il fait ça, lui je vais attirer le Big Monster. Peach, je vais la faire monter. Non, ça va être pas mal. C'est pas mal ce qu'on va faire. Mais trop bien, il y a l'autre derrière. Mais trop bien, mec. Là, il m'atteint jamais, normalement, c'est trop loin. Ah merde, du coup, il est pas revenu le truc. Il est sur une gâche quand même. Ouais. Bon, on va tous se prendre des balles, hein. On est là pour ça. Allez, on va se mettre ça directement. Je vais me prendre des dégâts en moins sur elle. De toute façon, on s'en fout, c'est un combat de boss et j'aurai des petits combats à côté pour redonner de la vie à mes persos. Lui, je vais l'attirer vers moi. Ah merde, je suis trop loin. Allez, hop. Comme ça, je l'attire vers moi. Comme ça, il fout la paix à l'autre. Voilà, magnifique. Lui, hélas... Ah, mais je peux les taper, en fait. Mais je suis trop con. Mais non. Mais non, il est encore plus fumé que ce que je pensais. Oh le bâtard, il était pas dans ma portée. Ah le bâtard. Oh bah parfait, merci, il va se prendre des droites. Du coup il s'est pris une droite. Ok. Et je vais encore reprendre un truc. Bon, c'est mon tank hein les gars, c'est le but hein, de façon qu'il se fasse allumer. C'est mon fucking tank. Je vois pas le problème. Allez hop, tu dégages. T'es pas mort, non mais jure t'es pas mort. Hein. Les gars j'aime trop mon build, je le trouve génial. C'est peut-être pas le plus opti mais je le trouve quand même génial. Toi, je vais pouvoir te taper d'ici, en étant un peu à l'abri. Bam bam bam. Et toi mon frérot, t'es dans de très beaux draps. Je pense que d'ici je le tape, non? Oui, il me rattrape pas là. Il me rattrape d'ici? Non, il me rattrape pas. Attends, je peux peut-être aller encore plus loin. Il me rattrape d'ici? Non, toujours pas. Je peux même me mettre là. Et du coup, on peut même se mettre. On peut même se mettre ça en fait. Les gars, mon build est génial. Mon tank comme dans Overwatch, exactement. Ah, il a des résistances aux brûlures. Putain, je suis trop con. Ah ouais, putain, j'avais zappé. Ok, c'est pas grave.
toute façon, quand mon mec au coup de poing va se ramener, on en parlera plus. C'est quoi déjà? Ah oui, ouais. Raté. Est-ce que je tue lui ou est-ce que j'en ai rien à foutre? J'attire lui encore. Je pense qu'il faut que j'attire l'autre. Ouais, mais là, du coup, je vais me prendre des dégâts. Je sais quoi faire. Ouais. Ça, on va prendre un peu notre temps. On va se faire ça. Lui, on va le faire revenir là. Vers là. Ah, quoique. Si, comme ça, lui, il sort de cette situation. Mais de toute façon, il m'atteint pas, l'autre. Il est trop nul. Il m'atteindra jamais. Regarde, je peux me mettre. Il m'atteindra pas. Même là, je pense que je le tape deux fois, il m'atteint pas, je pense. D'ici, je peux lui envoyer ma lame, rassurez-moi, de là-haut. Chat, ne me mentez pas. Bien sûr que je peux. Ok. Je peux le finir, non? En vrai, je le finis là, non? Évidemment, je le finis à mon temps. Vous avez vu comme il a carré mon lapin Mario? Putain, il est extraordinaire, bordel, il est extraordinaire. Ah, mais c'est vrai qu'il reste l'autre là-haut, putain, j'ai oublié. Ce serait cool qu'en fait j'aille heal à la fin du coup. Voilà, ouais, je vais prendre le temps d'aller heal. Ah non, parce qu'il fait trop mal. Ouais, non, j'ai pas le temps en fait. Quoique. Non, c'est peut-être un peu. Ah si, ici, regarde. Voilà, mon frérot. Ouais, mais c'est magnifique comment on joue. Non mais chat, ce qu'on fait, c'est de l'art en fait là, c'est magnifique. Non mais regarde ça. Oh là là. Ah non, il va faire un AOE. Pardon, j'ai crié, excusez-moi. Oh, désolé. Je suis désolé. J'ai crié très fort et j'ai postillonné aussi. Regarde, c'est pas grave, regarde. Ah mais si, en plus je peux. Ah oui, mais c'est vrai que tu peux déplacer heal et revenir. Non mais c'est incroyable. On a fait une run merveilleuse, il y a trop de possibilités. Rien de mon mal. On finit full heal. Je comprends pas le jeu. Bah c'est des combats au tour par tour, on fait notre équipe. C'est Mario et le lapin crétin, il y a une histoire, les monstres sont de plus en plus forts. Tous les persos ont des petites caractéristiques bien à eux, un spell bien à eux. Il y a aussi un artefact qu'on peut mettre sur chacun d'entre eux, pareil, qui a des particularités. Et ils ont tous une arme différente, pareil, qui a des particularités. Ce qui, tout ça, donne place à un vrai build d'âge possible. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir? On vient d'avoir un spark. C'est quoi ce spark? Il fait quoi? Toutes les attaques par arme sont chargées de super effets. Éclaboussure et inflige 1% de dégâts. Ok. Ok, donc si on tombe sur des mobs qui craignent l'eau, on sera bien content. Allez, on y va. Salut. C'est parti. Ah, c'est bon, on l'a eu. Ok, ça va être le big boss, le premier big boss du coup là, je suppose. Qu'est-ce qu'il est fort, notre Mario Lapin. C'est hilarant. Putain, l'autre, il est 40% maintenant. Super forte, putain. Comment je fais? Ah. Ok. Je peux rien faire. Bon. Ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire? Une énigme? Ah oui, il y a un putain, je suis con, j'avais pas vu. On peut le mettre là, autant pour moi. Dans la poche. Et ça va là-bas. Ok. J'avais pas vu. Ok, super. Vas-y, j'aimerais bien qu'on se fasse un petit boss là. De toute façon, au sommet du phare, il va y avoir un boss, c'est obligé. Il y a une petite fortune ici. Oh non. C'est moi qui te balaye. That's too easy. Et pourtant, on est en mode exigeant. En vrai, je pense que tu peux vite te faire niquer. Je pense que là, j'ai trouvé un peu le truc broken en early game, là, mettre v'là les PV à l'autre, booster lui, il a 40%, tu sais, on a un truc un peu broken, en vrai. Mais après, ouais, ça peut vite partir en couille. Déjà, lui, il fait très, 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 très mal, ce putain de lion, là.
D'ailleurs, je me demande si je vais pas prendre Luigi pour le sniper d'ici, en fait. Franchement, ça me semble pas être une connerie de mettre Luigi à la place de lui, là, tu vois. Voilà. Ouais. On va se mettre un bon Luigi, mon frérot. Je sais comment hacker le truc, là. Je sais ce qu'on va faire. Je sais comment hacker le jeu, littéralement. Luigi, il se met là. Ok, on va se rapprocher. Je crois que je sais comment hacker le jeu, les gars. Je vous jure, c'est vrai. C'est ça. Et voilà, hackage. Ça veut dire que il va rester bloqué au milieu et il va juste galère. Il va rester bloqué au milieu là, le monstre. Il va faire que des va-et-vient, il va galère. Il tue, en besoin. Ça va être très drôle. Et toi, vas-y, on va le tuer. Attends, je vais un peu m'éloigner au cas où, mais je pense qu'il m'atteint pas. Non, le problème, c'est que je vais pas taper avec lui. Vas-y, fin de tour. Voilà, comme ça, je tac la bombe, je l'envoie dessus. Ah, il a décidé l'eau, donc on va tirer dessus en premier avec Luigi. Je suis un énorme gamin. On va tirer dessus en premier avec Luigi. Comme ça, il va revenir vers nous. Voilà, parfait, magnifique. Peach, elle va tacler ça, le prendre et lui envoyer dessus. Voilà, magnifique. Et maintenant, je pense qu'on peut le finito. Bougez pas, toi! Trop facile, et je pense qu'avec lui, on peut le taper à travers. Et voilà, c'est fini. Bravo chat, c'est un super travail qu'on vient de faire. Ça, c'est un super travail. Bon, après, c'était pas un boss. Hein. Et j'aurais d'ailleurs, j'aurais pu heal avec... bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'aurais pu heal avec Peach. Oh, un objet, un petit champi pour nos HP, magnifique. J'aurais pu heal avec... Je rappelle qu'elle rend 40% de leur vie à mes persos, ce qui est absolument énorme. Et que si j'arrive à maintenir un mob en vie en fin de game et moi à me cacher, bah je peux reset totalement ma vie sans avoir utilisé des champignons. C'est complètement broken, probablement le meilleur perso du jeu. Alors oui, il faut le blesser. Ok, on va arriver au boss, je pense, dans pas longtemps. À mon avis, ça ne fait que tarder. Sommet du phare, c'est maintenant. Ouais, il manque un peu de vie, bon, c'est ok. Je crois que c'est quand tu changes de monde que t'as des nouvelles armes, il me semble. Ok, on y est. Niveau 6, je suis level 6. Ouais, il y a juste... Merde. Ouais, j'allais dire j'allais lui filer un champi, mais en fait j'ai pas envie de gâcher un champi. Il lui manque genre 150 HP, c'est it's ok. Alors, quelle est la particularité de ce boss? Ça c'est un vrai boss pour le coup. Voilà, ça c'est les vrais maps de... où il y a 1000 mobs à 1000 endroits. Faut détruire ses yeux. Ah mais dis pas, faut aller prendre des trucs à droite à gauche et les envoyer sur les yeux? Non, ce serait trop dur ça. Ah si c'est ça, faut envoyer des bombes, putain j'en suis sûr. Ouh, il y a un Spark Slime à gagner. Pauvre Spark, nous allons remporter. Ouh, lui doit être pas mal. Ok, alors attends. Sur le bûcher, cela le fera s'allumer. Si vous détruisez les yeux de confusion sur le bûcher, cela le fera s'allumer. Comme la dimension et notre monde sont connectés, le phare s'allumera lui aussi, ok. Alors, analysons. Un mob juste là, on va lui péter la gueule. Une bombe, un mob, une bombe, un mob. Des mecs envoient du feu, une bombe. Enfin, un mob, pardon. Re des mecs envoient du feu, donc ils vont se mettre au bord là, ils vont me canarder. Une bombe, re des mecs, ok. Donc ce que je peux faire. Non, je peux pas monter. Je dois faire tout le tour pour ensuite. Et je dois, dans la foulée, péter tous les yeux non-stop. Ok. Ok. Bah, déjà, il y a un tacle qui part ici. Voilà, déjà le tour 1, je pense qu'il est assez simple. Est-ce qu'on est bien avec notre build? Je réfléchis. Est-ce que l'arc là, c'est pas de la merde? Sachant qu'il y a plein de mobs partout. Je vois pas pourquoi on prendrait l'arc, je vous dis la vérité. L'arc me semble abject. Moi, je crois que j'aurais pris du coup lui. Sans hésiter.
au niveau des sparks. Lui redirige les dégâts, donc je pense que c'est pas mal. Et elle est le truc, ok, je pense qu'on est pas mal. J'ai peut-être juste soigné le... Tant pis, on va utiliser un champion, de toute façon on vient d'en trouver un dans le phare, on s'en bat les couilles, puis on a plein de pièces, on s'en fout. Je pense qu'on va... 110 pièces, je soigne votre équipe entière. Ah... Ah oui, parce que les deux là-bas, ils sont mal. Combien il manque? 160 HP. Allez, je le fais comme ça, je m'en bats les couilles. Je le fais comme ça, let's go. Allez, on y va. Alors! Les yeux, ils peuvent me faire mal ou pas, vous pensez, chat? Je crois pas qu'il me fasse mal, en vrai, de vrai. Si? Terminé. Je pensais... Ah ouais, tu penses? Bon, de toute façon, lui, on lui a mis un tac. Lui, c'est pas, on va lui mettre l'autre tac. Là, oh, ah merde, la bombe, j'ai abîmé le truc. Waouh, je suis un gros con, là, pour le coup. Je suis un énorme teubé. Mais bon, regardez qui on envoie au combat. Non! Il a commencé un peu trop loin, fait chier. Non, les amis! Bon, vas-y, tant pis, je vais mettre à découvert, c'est pas grave. Hop. Ok. Bah voilà. Oh là là. Mais c'est le meilleur perso, bordel. Regardez-moi ça. Rien ne l'arrête. On va le mettre là au cas où. Non mais pas, on va l'envoyer direct lui aussi. Bon les gars, je pense qu'on va faire un fucking perfect. Après, je sais pas à quel point les yeux peuvent nous faire mal. Mais là, j'ai l'impression dans mon esprit qu'on va faire un perfect. Je vous le dis direct. Une bombe. Lui, il va s'avancer. Ah, et lui, il nous touche peut-être là où il est. Ah non, c'est mort, il nous touche pas. C'est tout. Mais j'ai oublié les yeux. My bad. Faut que je tape ces trucs là. Ah ouais, du coup, en fait, je vais perdre grave des tours ici. Putain, damn. Ah ouais, je vais perdre trop de temps. Ah, c'est trop chiant ça. Le problème c'est que là-bas je serais exposé à lui, là il va me mettre des coups. Je peux pas les atteindre d'ici là. Non, je peux pas. Bon vas-y au pire, mais c'est pas grave. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Hop là. Je pense qu'on va le faire, on va le faire assez easy en fait le level, je crois. Hein. Lui il est low. On peut déjà mettre. Non, parce que la bombe elle va jouer avant donc ça sert à rien. Ok, on passe. Je vais me faire shooter Mario par le mec d'en haut. C'est pas très... Enfin, là pas Mario, c'est pas très grave. Ah non, par lui aussi. C'est pas très grave, c'est pas très. C'est un tank, c'est pas très grave. Ah, une faille, très bien, elle a pas réussi. Ah, c'est fini déjà? Bon bah les gars, on est au max, t'as ce que je vous dis. Pas besoin de faire ce qu'on fait. Alors je pense juste qu'il faut, lui, faut le déplacer. Je pense qu'on va faire easy ce level, les gars. Ça va être assez décevant pour vous. Voilà. Ça explose. On va péter ce truc-là direct. Voilà, le truc est dead. Est-ce que je claque déjà un heal? C'est combien de temps de recharge? 3 tours. Un, deux... Non, on va le claquer après, je pense. On va le claquer après. Je connais pas leur portée à eux, mais je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup de portée. Je vais me mettre là quand même au cas où. Ah, lui je peux pas, putain, dommage. Ok. Est-ce qu'il nous touche? Ah, il nous touche peut-être. Ah ouais. Ah non, il nous touche pas. Ouh, il y en a deux là à me faire là. Faut que je me les fasse. Ah putain, faut que Peach, je sais ce que je vais faire. Faut que Peach elle vienne. Non mais les gars, on est trop bien, c'est un truc de ouf. Ma team elle est excellente. Je peux pas vous dire mieux, la team est folle. On va sauter ici. Tombe pas dans le trou, je t'en supplie. Merci. Voilà, hop, on va leur péter la gueule. Ah, y'en a un que ça tue pas. Ah ouais. Y'en a un que je tue pas. Ok. Bon. Bah si. Ah non, il est pas mort. Il lui reste un peu de vie, ok. Bon, c'est pas très grave, je vais pouvoir faire la même avec lui. Bon, parce qu'on va devoir attendre Peach.
peux se cacher ou pas là? Non, je peux pas me cacher. Bah écoute, je vais me mettre là. Ah non, je le tue pas là. Ouh, je peux lui faire mal. Je peux pas le balayer là? Oh mec, à 1 mètre, c'est un sketch. J'aurais dû le balayer avant avec l'autre, my bad, je crois que j'ai mal joué. Bon, vas-y, on va se mettre là, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais? Si je le touche en bas ou pas? Ah, ça bloque. Bon, on va accepter de se prendre un hit, les gars. Faut juste pas qu'ils soient collés, mes deux persos. Je pense que d'ici... J'espère qu'il peut pas tomber dans le vide. Attends, parce que s'il tombe dans le vide, j'ai peur que ça... Non, ok, bon, ok, vas-y. Je sais ce qu'on fait, on va la jouer safe. On va mettre ça. Voilà, ça, bon, on est safe. Tout est sous contrôle. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et toi, malheureusement... Tu es un peu loin, tu vas nous rejoindre. Ah mais non, mais voilà, voilà ce qu'il fallait que je fasse. Putain les gars, je suis un débile, j'avais juste à faire ça. Ah non, je le tue pas. Ah ouais. Mais c'est pas censé passer au-dessus. Pourquoi je le tue pas, je comprends pas. Ah, parce qu'il y a la caisse qui gêne. Ok, my bad, ok, ok. Bon, vas-y, j'attendrai. De toute façon, il va bouger, il va mourir. Ça l'a pas tué? OMG, je l'ai pas tué. Presque arrangeant cette histoire. Presque arrangeant. Putain, du coup j'ai utilisé un pouvoir pour rien, je suis abattu. Ouh, limite. Comme ça, ça. Là, je réfléchis aux dégâts. Non, le coup, je tue lui absolument. Ok, super. Maintenant vous savez très bien qui on va envoyer là-bas. Évidemment que vous savez. On va envoyer ce fou. Ah, déjà on va lui mettre une charge. J'aurais dû lui mettre une charge avec l'autre. J'ai oublié le réflexe, ça m'avait permis de le tuer. Je suis dégoûté. Mais bon, il va quand même mourir je pense grâce à Peach. Ouais. Je peux pas monter là? Non. Mais si je fais ça, je les heal. Est-ce que c'est nécessaire? On peut se dire qu'on se met un heal. De toute façon, on va devoir tuer tous les trucs. Vas-y, mettons un heal maintenant. Mais les gars, c'est trop simple! Faut qu'on tue les yeux, faut pas qu'on oublie les yeux. Faut pas qu'on oublie les yeux. Ok. Ok, c'est re à nous. Donc, c'est simple. On doit aller se faire les yeux, faut pas les oublier. Je peux les faire d'ici? Je peux les faire d'ici. Allez, on y va. On s'en sort comme des chefs, hein. Soyons honnêtes. En plus, en un coup de poing avec les autres, comme c'est des big AOE, on va lutter tous les deux d'un coup. On s'en sort comme des chefs. Allez, on descend. On va aller vers là-bas. Attends, je vais pas faire le fou. Ok. Ah, ça y est, il se ramène. Toi, t'es très ambitieux, mon frère. Ouf. Ok, il y a une faille. Alors, la faille, elle va pas pouvoir la niquer, malheureusement. On va mettre une balayette. Et ensuite, on va te déglinguer. Comme ça. Ah bah, voilà. Non, mais ce personnage, les gars... Je l'ai flairé, hein. Je l'ai flairé qu'il était bon, mais je pensais pas à ce point, je l'avoue, je pensais pas à ce point. Allez hop. Il peut jouer direct. Ah le bâtard, il peut jouer direct. Ah bâtard, il joue direct, je savais, hop. Encore. Ah c'est nul. Bon là, il faut clairement jouer l'envol, on va pas se mentir. Il faut clairement faire ce que vous savez. C'est-à-dire envoyer cette énergie au charbon. Ok, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On nique même des yeux en même temps. Il est tellement fort. Ça n'a aucun sens. Il est tellement fort, je suis mort de rire. Il tue tout le monde, c'est incroyable. Allez, on y va.
Qu'est-ce qu'on peut se faire? On va se faire celui-là. Bon bah les gars, voilà, on a un build parfait qui se fait, que je vous dise. On a un gros tank qui fait des AOE monumentales et qui a un sac à PV. On a un heal incroyable qui met 40%. Oh, j'ai oublié la bombe. Bon, c'est pas très grave. Elle pète pas? Quelle gentille bombe, merci. Tu es adorable. Ah, j'ai même pas eu le temps de heal du coup. Bon, c'est pas grave. Les gars, le tank il est, le lapin crétin Mario beaucoup trop fort. Ah ouais, il est beaucoup trop fort, c'est incroyable. Il est tellement fort. On va passer un ou deux levels, je suppose, vu que c'est un boss et tout. Non, même pas. Ah ouais, 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 presque. Super. Mais écoutez, je suis ravi. On a fait un carton. Est-ce qu'il y a un boss dans le boss ou c'était juste ça? Pourquoi il a un Magikarp sur le truc? Oh misère. C'est déjà le monde d'après? Putain purée. Ah non, c'est juste que le soleil est revenu, je l'ai même pas reconnu lui. Et d'ailleurs le spark qu'on a eu, il fait quoi? Attendez les gars. Alors, c'est contre ces tunnels. Il fait quoi le spark qu'on a eu, le spark slime là? Alors 2 sur 2 cristal, donc ça déjà je passe. Ah bah c'est juste la quête, il fallait les deux. On a des nouvelles quêtes additionnelles et une nouvelle planète. Qu'on peut avoir en récompense? Ah mais oui putain, c'est vrai qu'il faut que je chasse tous les... Lorsque vous arrivez pour rejoindre le vaisseau, nous avons sélectionné un jeu que vous avez pour atteindre une nouvelle planète. Ok. Mais ouais, là j'ai plein de trucs à aller chercher, regarde ça. Ça c'est level 9. Ça je peux le faire, chasse aux bombes. Ça je peux le faire, ça je peux le faire, ça je peux le faire. Ah ouais, à chaque fois j'ai des soleils à aller prendre. Mais du coup ça c'est pour avoir des armes ou juste des... Ah non mais c'est aussi pour pouvoir acheter des potions pour améliorer tes... Non, c'est important de le faire en vrai ça. C'est important de ouf de le faire en fait, on est en train de zapper un truc qui est très très important les gars. Il faut aussi qu'on aille voir le marchand, voir si c'est bel et bien que des skins. Je suis quand même curieux d'aller voir. Ok. Wouh. Et le spark alors c'est quoi? Il est là. Lance 3 ondes au super effet toxique, chaque onde infligeant 41 de dégâts. Pas mal. Ok, si tu l'améliores, je pense que ça peut faire très mal. Ok, c'est un truc qui fait des dégâts. Un spark qui fait des dégâts, c'est le premier qu'on a comme ça. Qui fait des dégâts directs. Comment je me casse par ici, je suppose? Vas-y les gars, je vais juste voir si on a eu des nouvelles armes. J'avoue. Venez, on va découvrir ça ensemble, je sais que c'est là-bas. Il y a une petite fortune derrière cette maison. Regardez-moi ça. En plus elle respawn les pièces, c'est abusé. Il y a une strat où tu farmes et t'es en mode champi illimité en fait, possiblement. Alors mon frérot, qu'est-ce que tu me vends? Attends. Ok, qu'est-ce que tu me vends? Là, ça c'est quoi? Direct du droit, coloré et uppercut du style pour un modèle speedway qui ne manquera pas de faire des vagues. Vous avez raison, c'est juste des skins. Je crois que les points, ils ont pas l'air dingues. Ah, quoique, en mode course, si c'est stylé, c'est des pneus. Allez, je les prends. Je les prends! Mais surtout, en fait, j'aurais... Non, mais surtout, c'est ça qu'il faut, c'est la clé. Putain, ça, c'est sûr, ça donne une arme légendaire, non? Ce truc-là. Ah, mais j'ai 4 soleils, je pouvais presque la prendre. Quelle demeurée! Les gars, venez, on va chercher la clé. Ça, je suis complètement accro. Qu'est-ce qu'on lui met? On lui met le vol de vie. Waouh, mec. Non, mais là, il va être trop fort, frérot. Oh, on lui met le vol de vie. Voilà, là, il est au max. Et ensuite, on lui met le range de déplacement de fou pour qu'il puisse aller où il veut. En vrai de vrai. Après, il y a aussi ça, un level 3, les dégâts que ça fait. C'est pas une blague. Hein.
Et plus 2 coups par arme. Non, on doit monter ça en objet. On doit monter ça en objet. Pitch dans ses héros, ça dit quoi? Elle l'a là. Augmente la portée du soin de l'Happy Pitch. Franchement, utile, hein. Utile de ouf, hein. Et en même temps, la santé aussi, c'est important. Et vas-y, là, le truc comme ça, c'est trop fort. Ok. Et enfin, lui, le frérot, le sang absolu. Ah, il m'en faut un dernier pour que son truc soit vraiment énorme. Ok. Ok, les gars, venez, la clé, elle sert à quoi? Est-ce que c'est pour avoir une arme ou pas? Spoilez-moi, c'est pas grave. Est-ce pour avoir une arme ou pas? Cette maudite clé. Chasse aux bombes, ok, je dois me faire 3 bombes, bah, vas-y mon frère. Tu débloques une zone, un spark, un skin, personne n'est d'accord. Un spark, ah on s'en fout un peu d'un spark, non? En vrai, on s'en fout un peu, non? Terminé. On s'en fout un peu, je crois. Mais les armes, comment on peut avoir des armes en fait? C'est genre automatique? Est-ce qu'il est X temps? À droite, à gauche, l'autre gauche. On peut pas? Ah ouais? En vrai, peut-être qu'il va vraiment être bien le spark. Bah, les gens ils disent c'est pas ouf. Il t'en faut beaucoup d'espoir pour aller faire le boss qui dodo en bavant. Ah oui, il en fallait 8. Non, il fallait 8 trucs pour aller voir le boss qui dodo en bavant. Je crois. Donc c'est pas non plus un truc de ouf, en vrai. Venez, on finit les bombes, comme ça c'est fait. 8 en plus. 12, il t'en manquait 8. Ah ouais, donc là il m'aurait 6 ou 7. En fait, je crois qu'il faut faire tout le kill time. En fait, j'aurais pas dû acheter ce skin. Putain, on en avait rien à foutre de ce skin, j'ai tout gâché, bordel. Allez, on y va, il y a des lapins, on y va, on se les fait. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà, bonjour. Vous n'avez pas honte? C'est terminé. Trop facile. Bonjour, vous n'avez pas honte? Allez hop, c'est histoire de. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Champion du monde! Ok. Ah ouais, ok, je peux pas la remettre là, donc on va juste péter la gueule à lui. Putain, ça va très vite là, les combats. Il en faut 13, il en fallait 12. Et je vais équiper le skin après, ouais. Putain, les points ils vont être trop stylés. Et le monstre en bavant, on a un truc de ouf quand on le bat ou c'est genre bof? Les armes sont remplacées par le principe des sparks. Ah ok, 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 ok. Ok, donc il y aura jamais de nouvelles armes. Putain, j'aime tellement moi le truc d'avoir une nouvelle arme et tout. Putain, dans WoW, là je repense à WoW et ça me fait des souvenirs incroyables quand j'avais une nouvelle arme. Putain, c'était ouf. J'étais tellement heureux quand j'avais une nouvelle dague ou une nouvelle épée. Là, je tapais d'un coup 2 fois plus fort. Je faisais, oh putain, j'étais trop heureux. Comment on équipe le skin? Merde. Comment on équipe ce fichu skin? Merde, putain, ça fait 2 fois que je me trompe, je suis désolé. C'est là-dedans, non? Objet, non. Info héros. Ah non, apparence arme, c'est là, c'est en énorme. Oh, j'ai la galaxie. Mais galaxie, après, elle est intestable, ça le problème. C'est que tous les autres trucs paraissent moins bien. Oh là, par contre, les points pneus. Les points GP Explorer, là, ils me régalent. On a ça à faire, c'est level 8, mais je pense qu'on le passe. À mon avis, on le passe. Faisons-le. Ok, alors on y va. Explorons vite fait. Oh, oh là 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 là. You know. You know what's gonna happen here. You know. Oh là 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 là, mon frérot. Mon frérot. C'est une merveille. Ah merde, ça touche pas les mecs au fond.
Ah non. En fait, vous savez ce qui est ouf avec ces points? C'est que ça passe à travers le mur. C'est fumé de dingue, mec, c'est abusé. C'est vraiment abusé, c'est incroyable. Allez hop, ça c'est fait. On va se prendre 2 hits. Mais attends, on va gagner une étoile pour ça, c'est level 8. Non, c'est pas ça. Ah, il y avait une bombe derrière planquée. Comment ils sont fous, je suis mort. Oh waouh, il aurait pu me faire une AOE de fou là. Dommage pour lui. Bah paquez-vous bien les gars, écoutez, vous apprenez pas de vos erreurs, c'est agréable. Paquez-vous bien, moi ça me va. Allez, on y va. En fait, c'est ça le plus fumé, c'est que lui, son truc, il ignore les murs. C'est incroyable quoi. C'est vraiment abusé, putain. Portée de ça. Ah, c'est drôle, vous avez vu le détail? Du lapin Mario qui s'est baissé. C'est normal. Mais non, c'est trop bien fait. Ah ouais, mais il reste un mini, non? Ok. On a eu la pièce, là? On a eu la pièce? Peut-être qu'on a eu la pièce. On l'a eu. Il nous reste une bombe à se faire. Ça m'avait dit, en tournant dessus, ça marche. Je suis sûr que vous m'avez trollé. Je vous déteste. Je vous hais, putain. Oh là là, vous payez ma tête, c'est un truc de ouf. Quelle honte. Il reste une bombe à tuer, je sais pas où elle est. Elle est peut-être vers là, justement. Non. En fait, ça va vite de prendre des étoiles. Et les gars, quand on tue le mec qui bave, on a quoi? On a un spark aussi plus rare ou pas? Ah mais c'est vrai, faut vraiment tourner? Non, je vous crois pas les gars, je vous crois plus maintenant. Dans l'autre sens? Non, vous trollez. Vous mentez de fou, je vous crois plus, c'est pas possible que je vous croie après ça. Je n'arrive plus à vous croire. Putain, on dirait qu'il va faire plus mal. Ah merde, je me suis mis bien exposé là. Je vais bien mourir. Oh le con. But it's okay. Wouah, putain, quand tu fais un critique, c'est... Non, mais je l'aime trop ce perso, c'est un truc de ouf. J'aime trop ce personnage. Il est trop fort, quoi. C'est un truc de ouf comment il est fort. Ah, là, je vais prendre très... Il va peut-être même mourir, lui, en fait. Non, pas à ce point, pas à ce point, pas à ce point. J'ai abusé. Il est déjà le lac, hein. La grappe, on la voit, ouais, on est chill, on joue, on réfléchit. Mais je pense que vous payez ma tête par contre pour le truc des enterrés là. Je suis sûr que vous montez genre. Je serai à 30%. Oh, 200. Waouh. Ah, elle est pas cool. Ah ouais, la range de ma bitch. Waouh, mon frérot, la dinguerie. Waouh, la dinguerie. Bon, de toute façon, lui, il va foncer, il va se le faire, je pourrais vous dire mieux. Et on aura une fois de plus. Ok, GG. Il reste un mec. Ok, ok, merci pour le truc. Elle a paru beaucoup trop fort par rapport aux autres. Bah aussi, maintenant je lui ai fait un build full vie là.
Et avec le fou, comme le heal il est basé sur un pourcentage de vie manquant, bah c'est abusé en fait. Du coup il est capable de tanker à l'infini, c'est un truc de ouf. Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? J'ai rien compris. Je dois charger sur les boulettes aux fiches, c'est tout ce que j'ai lu. What? Ah merde, attends, je dois le mettre où? Là? Je dois le mettre où? C'est parti. Ah c'est ça, comme ça, ok. Du coup j'en ai perdu un. Non non, j'en ai perdu un, je pense que je les aurais pas. Mais non! Non, non, je fais n'importe quoi. Bon, c'est mort du coup là, non? On en pense quoi? On va voir. C'est toi là que je t'avais chassé tout à l'heure? Ouais, ça peut le faire encore. Il en reste un là. Ça peut le faire. Je veux juste voir le gars baveux ce qu'il nous donne, les gars. Tout ça pour ça. Hein. Il en fallait. Ah bon, bah c'est bon, c'est réussi, ok. On l'a eu? Il nous l'a pas donné? Ah si, c'est là. Ok, stylé. Ah mais en fait on reçoit... Attends les gars, je crois qu'il y a des énorme quiproquo. En fait on reçoit pas forcément un truc comme je l'imagine en fait. Attends, combien j'ai de... C'est où les monnaies? C'est là qu'on les voit? Mais non, jure, je fais tout ça pour rien, je te crois pas. La spirale, excuse. Ah ouais, donc dans l'autre sens... Non mais vous êtes des mythos. Les gars, je vous jure que si vous m'avez menti, j'arrête le live. Je vous jure. Bon, c'est une excuse en tout cas, je vais pas tarder à arrêter. Attends, retournons-y. Si vous m'avez mytho, déjà c'est très drôle, bravo. Et ensuite, je ne vous ferai plus jamais confiance. Bah, merci les frérots d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup, c'est dommage que ça finisse sur une triste histoire. C'est dommage. Dommage que deux fois de suite je me fasse berner par des squeezos insolents. Bon, on va en prendre 3-4 au pif, on va les ban. Mais... Cette relation de confiance dans laquelle on est depuis des années, vous aimez la... Putain, on dirait moi quand j'avais 13 ans là, avec les cheveux qui dépassent. Cette relation de confiance, vous l'avez brisée ce soir. Ça me fait mal au cœur. Bon, c'est pas, on peut pas être parfait. J'imagine que vous avez vous aussi vos vices et vos défauts comme moi. Et je les accepte. Je vous accepte, Ariel. Bon, c'était Mario et le lapin crétin Sparks. Sparks of... T'imagines, j'ai oublié le nom du jeu, mais jamais de la vie. Sparks of Hope. Je vous jure, je vais continuer de jouer en live. En vrai, de vrai, je kiffe trop les jeux au tour par tour. Ça m'a donné envie de télécharger tous les jeux auxquels j'ai joué au tour par tour. J'aime trop. Je vais réinstaller Dofus là. J'aime trop.